Hello, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, tranquille. Alors, c'est vrai qu'on avait. On avait Fantasio 974, enlève qui a marqué. Enlève quoi, je ne sais pas. Bon, ça se passe bien, tranquillou? Petit confinement là? Ça fait combien de temps qu'on s'est plus vu? Je suis en retard, non, 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 non. C'est pas vrai ça. J'étais pas en train de manger il y a 7 minutes. Je me suis pris un stress. Tout allait bien. J'ai commencé à bouffer une demi-heure. Et là, je regarde mon portable. 18h02. Terrifiant. Mais heureusement, tout était prêt. Donc, je vous rassure. Le stream est là. Parfaitement parfait. Il me semble qu'on n'avait pas commencé. De toute façon, on avait juste lancé le menu. Voilà. On avait regardé un petit peu. Et puis j'avais quitté. J'avais mis un autre jeu. Donc on a tout à découvrir, mesdames et messieurs. Le personnage est déjà prêt, mais le reste, c'est à découvrir. Sors du jeu. Sors du jeu. J'ai l'impression qu'on me donne des ordres à chaque fois dans ces traductions-là. On est en confinement et tu arrives à être en retard, mais écoute. C'est parce que j'ai bossé into bouffe, into stream direct. Les violences des menus, j'adore. Mais oui, mais c'est un argument de vente, hein. Terrible. De toute façon, j'imagine qu'il n'y aura pas trop d'histoire. Donc, bon, ceux qui arrivent un peu après, ils louperont pas grand-chose, quoi. Je pense qu'ils arriveront à survivre, tu vois. Bon, il y a Mountain Blade qui est sorti aujourd'hui. J'ai tellement envie d'y jouer, mais je dois le faire avec un pote, ça me saoule. Non, ouais, c'est cool, mais j'aimerais bien le faire en stream aussi, tu vois. C'est un bon jeu à stream, je pense. Mountain Blade, c'est sympa. Tu peux avoir de l'interaction et tout. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, mesdames et messieurs. Comment ça se passe les cours à domicile en France pour les universitaires? J'en ai aucune idée. Ici au pays de la frite, grosse galère, mais en France aussi, j'imagine, non? Ok, ça rame déjà. Voilà, pour ça l'introduction. On dirait un peu Hitman du coup dans le délire là. Un chauve voleur, violeur, tueur. Attends, 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 calme-toi. Il y a trop de choses qui vont pas là. V5, alors je peux en mettre 2 apparemment. Je vais en mettre 0, vous allez me dire si ça marche pas pour vous. J'espère que ça a marché, parce que sinon ça va être terrifiant. Ça j'avais déjà dû faire. Et il y avait un problème de sensibilité qui était incroyable en route. Sors du jeu. Ok, il y a Vinny qui appelle. Réponse, space. Oh putain, des doubleurs. Je vais vous mettre le son à fond parce que bon. Vini quoi. C'est fou! Y a un gars qui parle, il y a des doublages dans ces jeux maintenant, c'est la folie. Hein. The Lombardies paid your bail. On partit. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Ok. J'arrive. Cambriole cette maison pour moi. Écoute, pourquoi pas? Il y a un petit délire Half-Life 2 aussi là. Pas du tout. Pas du tout. Calmez-vous, par contre je vois rien, voilà. J'arrête pas de faire des allers-retours dans les menus, mais bon, il y a un moment ça va aussi. Non, je veux pas charger l'enregistrement. Je sais pas ce que ça veut dire de toute façon. Graphisme, il n'y avait pas la luminosité. En vrai, j'ai enlevé ça déjà. L'occlusion ambiante, faudra voir si on l'enlève ou pas. À mon avis, si on l'enlève, ça va être dégueulasse. Et bon. On va voir. S'accroupir. C. Tu peux ajouter des objets. Oui, c'est bon ça. J'ai réussi. Ok. Mec est pas du tout discret vu que. Oui, non, mais tu l'entends quoi. Mais après tu. Marque, mousse bouton 3. Ça marche pas. À moins que. Mousse bouton 3. J'ai essayé tous mes mousse boutons. Il n'y a pas un seul qui a marché. Donc, on va avoir un problème. Je. Attendez. C'était où? J'étais pas dedans. Voilà, j'étais là. En fait, j'étais passé en QWERTY, mais on va remapper, hein, tout simplement. Désolé de vous le dire. Alors, ZS et les autres, ils sont plus loin. Q. Alors. Regardez autour de vous verticalement. Oui. Marque une cible. Eh ben, mousse 3 là. Il prend pas en compte les touches de ma souris, ça me fatigue.
Il me déteste. Si je fais R, il y a rien non sur R. Il y a R. Tu vois. Oh putain, je vois rien. C'est où? Marque une cible. R. Voilà. Accélérer. W. Alors attends, c'était la même touche que avant accélérer. Vas-y, ça doit être pour les voitures, je pense. Non. Ok. Je suis désolé, il faut être attentif parce que là, là c'est A du coup. Et on verra s'il y a autre chose. Il y en a plein qui sont pas assignés, ça me stresse un peu, mais bon, on laisse les vivre, hein, je suppose. Vivre et laisser vivre. C'est très bien comme ça. Et du coup... D'accord, bon, ouais, très bien. Je peux toujours pas en fait, hein. Some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Ah, ça c'est cool, voilà. Voilà comment on va voir quelque chose. Casse la vitre? Ok. Bah, je pense que c'est pas la lumière qui va me trahir, c'est plus le bruit à ce niveau-là, mais... Ouvre doucement, par contre. grimpe. Pardon, c'était une touche. Good job. Time to redistribute a little wealth. Ok. Alors je suppose que je vais pas voler une casserole. Mais dans le sac, théière. Eh ben allez, ça me fait 10 d'XP, je peux te dire que les théières. Bon, je vais partir du principe que là je peux pas perdre, donc je vais chill. Vole quelques trucs. 15$. Grippin, la casserole. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Il est temps de rembourser ta caution. Je pense pas que c'est ce qu'il ait dit, tu vois. Bizarrement, hein, à mon avis, il a pas dit il est temps de rembourser ta caution, mais bon. J'adore, j'aime bien qu'ils aient laissé ça. Ils ont fait des doublages et tout, mais ils ont toujours pas payé de traduction, et ça, c'est magnifique. Et je sors par la porte de devant, vers la voiture. Va à la voiture, pardon. On va peut-être ranger le pied de biche, non? Il y a vraiment des gens hein, dans la rue qui se baladent. Donc ils peuvent me voir quand même. Ok. Écoute, j'y suis à la voiture, mais j'ai quelque peu du mal. Comment on fait? Rentre dans la voiture, j'essaye. Hein. Ah, ok. Il fallait viser exactement la porte. Salut Atomic. Peut-être ceux qui arrivent, hein. J'espère que vous allez bien. Ferme la porte. Ah, ok, déjà fait. Utilise. Et je peux pas conduire. Si! Oh la folie! Quitte l'endroit. N'importe où, là-bas? ...130 km/h dans le village. Ah! Par là-bas, non? Il y a un objectif. Tellement vite, putain. Mais il y a zéro sensation de danger parce que c'est tellement maniable ce truc. Ça tient la route, mon pauvre! Rouler le coffre ouvert, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Mais je m'attendais à devoir mettre les casseroles et tout dans le coffre. Ah, quand même, hein. Putain, il y a des ranks et tout. Ça va être fou. Tu vois, il est tellement mal, mais non. J'ai pas le permis IRL. Hein. Allez. Il fait sa meilleure imitation du personnage des films de Scorsese. Dors dans la voiture, non, non. Dans la chambre, non, je sais pas. Ok, comme tu veux. Hein. Et je dors jusqu'à 8 heures dans la voiture, apparemment. Et je casse tout. Sortir du jeu. Non, je veux pas sortir du jeu. Si, c'était ça. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Ok, de toute façon, il y a toujours un ordi dans ces jeux. C'est toujours un ordi qui te dit quoi faire. Je vais juste appuyer sur ça parce que j'en ai marre qu'il me monte les trucs. Mais il s'arrêtera pas, je crois. Il est fou furieux. Lampe torche, j'ai compris. Faut que je le fasse. Merci, plus de tuto. Enfin, si, encore, on va y en avoir. Vas-y, utilise. Cours de hacking électronique niveau 1. Du coup, je peux pas utiliser? Vérifie l'ordinateur. Je le vérifie. Tout à l'heure. J'arrive pas trop à le vérifier. Je vais pas te mentir là. J'ai pas les outils de hacking électronique niveau 1, je l'ai pas quoi.
Celui-là peut-être. Ah, c'est pas le même, c'est pas le même. Tools for Thieves let you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Tools for Thieves. Gangster.com, il en a dit. Et d'en contenter de la VOD, eh ben, bon courage, 30 balles un pied de biche. Je sais pas du tout combien ça coûte en vrai un pied de biche. Par contre, une lampe torche, ça coûte pas 60 euros. Enfin, 60 dollars. Ordinateur portable de hacking pro, 120 000, mais n'importe quoi. Enfin, je comprends, bien sûr, pour le jeu, mais... déjà, n'importe quoi. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Greenweaver 109. Les Martins. Alors, les Martins... Putain, mais on vole des pauvres, là. Hein. Sérieux, on vole des trucs, ça fait 30 mètres carrés, même pas. Hein. Ça fait 20 mètres carrés, genre, ce qu'on vole. Et on vient les voler, quoi. Les mecs, ils ont une casserole, une théière, on vient, on la vole. C'est vraiment la... l'enfer de vivre dans ces quartiers. Conseil de sécurité, vas-y, vas-y. Tout. De toute façon, c'est gratuit. Right. Now, go to your... J'y vais, j'y vais. Les Carters pour la prochaine fois. Alors, il y aura quoi ? Atelier de bijoux. Bon, de toute façon, je vais pas me spoil parce qu'ils vont nous le dire au fur et à mesure, donc bon. You loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Ah oui, ok. Ça s'ouvre tout seul le... Ah d'accord. J'ai pas besoin de réfléchir, ça se téléporte. Il faut le rembourser le Mac, c'est ça? J'avoue, on a un putain de Mac là. Ah mais lui, qu'est-ce qu'il vend lui? Ah, il va vendre ses déchets là. Welcome back. C'est un russe. J'adore. Vends. Est-ce que je peux négocier? Non. Franchement, il achète des bons prix. Hein. It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Ok. Donc le prêteur sur gage, j'ai l'impression, sera pour les trucs qu'on a en plus, quoi. Là. Mais sinon, les objectifs, on les ramènera toujours aux gens, j'imagine. Mais je peux travailler en solo au bout d'un moment, non? Bienvenue dans Pawn Star, putain, j'avoue. C'est quoi déjà l'intro? C'est moi et mon fils, je sais plus quoi, là. Putain, ça fait longtemps, ce même bordel. Alors, je conduis mal, là, peut-être. Mais c'est les mêmes! Faut arrêter de les voler, non? Et ça, c'était quoi, ça? C'était mal conduit, ça? Bordel. C'est en plein jour là. Mais on s'en fout, je suppose. Alors, facile à casser. Vieille télé qui vaut un paquet de fric, double les clés de la porte dans le tiroir. Clé de la porte? Il y a un tiroir dehors? Non, des clés de la porte de je ne sais quoi, de là où il y a la télé. Le mec, il a juste mis la télé dans une pièce qui peut fermer pour être sûr, personne ne lui vole. C'est le seul truc, il a économisé pendant 6 ans pour avoir la télé. Et nous, on arrive et on vole. Voilà, voilà. Est-ce que je rentre par la porte d'entrée ou. De toute façon, s'il y a personne à l'intérieur de la maison, je veux dire, je peux rentrer comme je veux, non? Merde, je peux pas. Mais je pète celle-là au pif. Je sais pas si ça va influer parce qu'on la voit un peu de l'extérieur, mais bon, j'ai rien à foutre. Ils auront pas le temps de comprendre que je serais déjà parti, mon pauvre. Pourquoi sert cette clé? Clé de la porte d'entrée. C'est quoi, je la garde et comme ça je reviens quand je veux? On prend tout, hein? Je sais pas s'il y a une limite d'inventaire aussi, écoutez. Je... Tain, le mec il vient de se racheter des casseroles quoi. Vraiment ça me fait de la peine, tu vois. Je dis pas si on volait les gens à Beverly Hills, mais là ça me fait un peu de la peine pour lui quand même, hein, le garçon. Oh, bah en même temps il est con aussi. On sortirait pas par là, tiens. Histoire de dire. La planche à découper quand même, je vais pas la ramasser, non? On n'est pas là. Ok, il faut absolument que je sorte par la porte d'entrée quand j'ai un truc lourd dans les mains, j'ai l'impression. Comment le pose-je? Comme ça. J'ai, enfin, je sais pas comment j'ai fait, mais comme ça, on va dire. Ah, salut, Tim. Les maisons au fil du temps évoluent, on reste dans le même quartier pour mais j'en ai aucune idée. Je vais à deux à l'heure avec la télé, je suis désolé, mais j'ai pas le temps, moi. Alors, elle va finir dans le coffre. J'aurais dû amener la voiture derrière. Ils en ont rien à foutre, ouais. En même temps, ils ont le dos tourné. Oh putain, il y a Tim encore. Tim, il rôde, hein.
ferme doucement. Et là, on se casse très vite par contre. Parce que bon. Hop. Parfait ça. Non ! $1 pour ça ! Oh, c'est pas cher en vrai. Ça pourrait être pratique de décaler légèrement, non ? Ah, y'a, d'accord, j'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe. Mais qu'il reste là quand même. Qu'il reste avec nous, tu vois. C'est important. Ok, et donc là il me dit rien, mais je suppose que je me casse. Par là ? Il me semble qu'on est arrivé par là, ouais. Alors je vais où ? Je vais au junkyard. Je vais me prendre un arbre, hein. Il s'est pas arrêté. Ouais, j'imagine que ça va être ça à 4 âmes. C'est Yankee. N'oublie pas d'utiliser les points de compétences non utilisés. S ! Point d'exclamation. Vieille télé 20 XP. Ok. I see you got my screen. Go to Black Bay. Il lâche absolument pas l'affaire, lui. On dirait une poule. Oui. Propriétaire du magasin. Du coup. Vend. Mais lui, je peux lui vendre des trucs. Pourquoi je lui vends à ce prix-là? C'est un truc de malade, là. The fuck? Elles sont bleues, ça veut dire qu'elles ont... Il y a de la rareté dans les items, je suppose. Genre, c'est ça, je suis mort de rire. La casserole rare, quoi. Voler l'épaule, ah bah clairement, là. Et revendre à un mec qui a ça aussi. Là c'est dur là. Là c'est dur. Putain, je peux même fouiller les poubelles, c'est deep. Bon, il faut que j'aille à l'ordinateur, mais avant je mets ça parce qu'il va me casser les couilles avec les tutos. Mais en fait j'ai déjà fait ça. C'est bon, il a compris que j'ai déjà fait. Il y a toujours la télé, c'est bon, on l'a pas vendu. Et je sais pas qui était cet homme là, mais worth de lui vendre en tout cas. C'était Junkyard, c'est ça, ouais. Il faut que j'aille à la maison. On peut appeler ça une baraque, c'est un hangar aménagé quoi. Alors. Il voulait que je lui vende la télé lui. Mais je pouvais pas si. L'autre il m'a dit de pas la vendre la télé. Moi je lui ramène non. Ah voilà. Voilà voilà. Vieille télé 60 boules. Ce qui est 30 de plus qu'une casserole quoi. Cambriole for you. Art for you. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. The one with the dishes. Casse leur vaisselle, mais c'est pas, ça suffit pas de les voler? C'est fou ça, non? Les bakers, ils m'ont jamais rien fait, les bakers, non? Les pâtissiers. Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Ah ouais, donc c'est pas juste un jeu de voleur, c'est un jeu de fils de pute. Tug 322. J'ai déjà 20 heures sur Bannerlord, putain. Putain. J'espère qu'il est bien. Ok, j'ai besoin de dormir ou pas? Non, on s'en fout. J'ai des points de compétence apparemment. Oh, DM cette gueule. Alors, de toute façon, ça commence par là, donc j'ai pas le choix. Tu me diras, si je sais pas crocheter, c'est un peu triste. Et j'en ai plus. Maintenant, je peux crocheter niveau 1. Avec un crochet, ce que je n'ai pas. Donc voilà. On va aller casser la vaisselle au 110. J'achète Thief Simulator au bout de la deuxième mission, c'est plus du vol, c'est de... casser tout quoi. Boutique, Bejantiang, Greenview. Quelques petits bugs un peu chiants, mais sinon je bave tout du long. Nice, putain, ça fait plaisir ça. C'est ce qu'on veut. Ce titre de Giga Boomer. Oui. Alors le 110, c'est juste à côté, j'imagine. Oh, apprends à conduire, Tim. Tu fais du bruit. Bah, j'ai en voiture. Après tout, hein. Salut, Pastis. Y'a rien à péter, là. Je peux pas juste sauter par-dessus. Parce qu'en fait, j'ai pas... Ça, c'était quoi? C'était peut-être une mission annexe, en fait. Je peux rentrer par là? C'est n'importe quoi, non, de faire ça. C'est pas légal, si. Je vais le faire quand même. Eux, ils veulent que je rentre par là-bas, toute évidence. Bon les gars, fallait mieux coder le jeu, si vous voulez que j'écoute. Je suis déjà venu chez eux, non?
C'est bien eux, non? Ah non, là, je suis chez les Carter. Merde, moi, je veux les Baker. Ils sont là-bas, les Baker. C'est eux, non? Là, c'est les Baker. J'espère qu'ils sont pas là. Ils ont tous la même baraque, donc bon, a priori... Go buy yourself a DIY simple lockpick on tools yes. For thieves. Tools for thieves. Need, need, need. J'espère qu'il n'y a pas un mec qui dort, t'imagines? Bon, en même temps, il est quelle heure là? Je sais pas où il est marqué l'heure. 14h35, bon. Ah, ça peut être la sieste d'après-repas, hein, le retraité là. Il soupçonne rien. Je sais pas s'il faudra que j'aille mine des gens de temps en temps dans ce jeu. Est-ce que je sortirai pas par la porte d'entrée? Non, quand même pas. Si. Oserais-je? L'ultime indécence? Non, quand même pas. De toute façon, je dois pas avoir la porte de la clé. Enfin, la clé de la porte d'entrée. Moi, je dis, il faut tenter! Non. Je peux pas voler des trucs, du coup, chez eux, histoire d'eux? Non. Faites les chiottes. Putain, mais laisse-le vivre, non, le pauvre. Les pauvres bakers, quoi. Faut bien leur laisser un truc, non? Ah putain, merde, ça. Ça marche, par contre. Je me suis peut-être piégé comme un gros con là, non? Juste à l'instant là, juste maintenant tout de suite. Non, c'est bon, il y a ça à péter, mais par où ressors-je? Bon, je dois ressortir devant chez eux, je pense. À moins que la petite pente. Non. Non, 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 hein. On va faire le tour. Ah merde, il y a un mec là. Tu vas venir voir? Le piège à rabat, clairement. Ça, là, ça me... Non. Limite, tu vois, j'aurais pu creuser un trou en dessous, comme un yinche. Sortir par là, écoute. Hein. Mais merde, putain. Mais là c'était la dèche ultime, là. Hein. Ceci dit, il y a une fenêtre, donc a priori... Tant qu'il y aura des fenêtres... Aïe. C'est pas moi. C'est bon. Personne n'a capté. Magnifique ça. Normalement il y a une route là. Si on continue assez longtemps vers là, non? Oui! Ah mais il y a la limite. Je peux partir comme ça? Mais c'est vous cette vie. On va direct à la maison. On a loot 2-3 casseroles. Un grille-pain, une théière, une casserole, je pense que je peux attendre. D. Putain, vous êtes rude là. Alors. Des crochets, mesdames et messieurs. Outils scro. Ça n'a même pas de sens le nom. 70 boules, hein, quand même. Demande crochetage niveau 2. Ah, d'accord. Et je ne suis pas niveau 2 finalement, donc je peux pas mettre un point dans le crochetage niveau 2. Si? Non. Il faut que je fasse d'autres jobs. C'est quoi faire? Y a pas un truc à faire là. C'est quoi ces forums gangsters? Les Carter? Bah ça tombe bien, je fais des tests. Conseil de sécurité pour la maison. Mais en fait c'est juste des... Ça marche pas en mission en fait. Je viens ici que si je veux des aides quoi, je suis pas obligé. Genre si là je vais dans n'importe quelle maison et que je la vole, ce sera compté comme fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pensais moi que ça fonctionnait par mission, tu sais. En fait je peux juste me balader dans la rue et faire n'importe quoi. J'aurais pas dû payer ça mais je l'ai fait, voilà. Peut-être une leçon derrière tout ça, je ne sais pas. J'ai quand même allé vendre mes deux pauvres théières là. Et ma casserole. Parce que je sais pas combien de place on a dans l'inventaire. Howdy. Alors je sais pas qui c'est ce mec là, mais il prend beaucoup plus cher que l'autre chez qui je suis allé tout à l'heure, donc je t'aime bien toi. Je reviendrai ici, tu vois. Rachète leur maison. Ça va être ça en plus, non? On va pas avoir un truc comme ça. Ce serait fou cette vie. Est-ce qu'on... Du coup, on va voler les... Mais je suis allé chez eux à l'instant, c'est terrifiant, mais bon. Ah mais c'est eux encore? Là vous m'avez donné un indice, mais c'est celle-là la baraque?
quoi ça? Cachette. Ah d'accord, je peux me cacher. Si on m'a vu. Non. Tu m'as entendu? Les Martins. Mais là, c'est les Martins. Je m'en fous, moi, d'avoir l'indication de ça. C'est pas ça que je voulais, moi. C'est le 110, du coup, je suppose. Les Backers. Bon, alors, eux, je sais comment rentrer chez eux. Alors, j'ai ma petite technique, tu vois. Ça, je pense, en vrai, c'est fait exprès, en fait. Hein. Juste qu'après, t'es piégé comme un rat mort. Ah, oh, mais y'a quelqu'un. Casse-toi. Ça va? Ah, mais ils vont rester là, en fait. Et ils ont... Regarde-moi ça, ils ont barricadé. Salaud! Dis-moi pas là. De toute façon, je peux pas les crocheter. Hein. Putain, la porte est une vieille serrure facile à crocheter. N'importe quoi, là. Je réalise les trucs au compte-gouttes. On va les voler toujours les mêmes, j'ai envie de te dire. Vous avez restock depuis la dernière fois? J'espère, hein. Ça devient fatigant de l'avoir toujours la même chose. Tiens, quelqu'un voulait que je le fasse. Putain, je peux en plus. Je sais pas ce que ça m'apporte de leur faire ça aux pauvres, mais... Faut que je refouille... Ah ça je peux la ramasser depuis tout à l'heure, je pouvais, tiens. J'ai déjà fait tout à l'heure mais bon ils comprennent pas donc Pourquoi je vendrais pas les chaussures par exemple, hein. Je suis sûr que ça vaut plus cher qu'une casserole quoi. Putain que c'est plus simple à revendre surtout qu'une casserole. Ceci dit moi je le vends à des mecs. Donc je m'en fous. Ok, il fallait que je ressorte par là. Je pense que je vais pas pouvoir cambrioler beaucoup de maisons tant que j'aurai pas les compétences. Aïe, le crochetage, non? Ça y est, ça chill? J'ai recambriolé eux aussi, hein, les 109, je suis désolé. Mais bon. En même temps, c'est des maisons vides, donc... Il y a juste quelqu'un qui passe, qui pose des assiettes de temps en temps, quand elles sont cassées, qui remet des casseroles. Mais c'est tout, quoi. Il y a personne qui y vit, vraiment. Tu rentres de ton boulot, 40 minutes de voiture, t'as la chiasse et tu t'es retenu tout le trajet. Tu rentres chez toi, FDP a brisé ta vie pour t'exploser tes chiottes, c'est ça. Vraiment, je vois pas la motivation derrière péter des assiettes et des chiottes chez quelqu'un, c'est... Ah, équipement complet, damn, y'a pas de la thune là un peu? Si, là-dedans, là, regarde. Putain! Le sac poubelle à côté du lit, alors là, c'est la décadence, là. Moi, je vole ces pauvres gens qui sont déjà au rock bottom. Ok, bon, bah de toute façon, je me casse, hein, j'ai pas le choix. Espérons que ça fasse de l'XP. Il n'y a jamais personne dans la maison. Ça, c'est fou quand même, hein, cette vie. Je sais pas s'il y a des poursuites de flics et tout, on verra. Ça devrait être drôle, s'il y en a. Ça devrait être bien codé. Aujourd'hui, j'ai appris la musique triste de Naruto à la guitare, nice. Il y a des musiciens dans le chat. Autre que pastis. Alors, junkyard, hein, toujours. Boutique de prêteurs sur gage, c'est du vol, en fait, non? Peut-être qu'une junkyard... C'est... Non, je sais pas. Quel est l'intérêt de pas aller là? Vraiment, je me demande, quoi. Ça doit faire quelque chose de différent, parce que... Putain, je suis toujours pas au niveau supérieur. Howdy. Genre, qu'est-ce que ça change de lui vendre à lui? En fait, lui, il accepte que les trucs en ferraille comme ça, j'imagine, mais bon. Je sais pas, je me dis si ça se trouve... Non, la thune me va directement dans ma poche, hein. Je comprends pas. Quel intérêt d'aller chez d'autres. Je fais quoi, là, j'y retourne encore une fois, comme ça, comme un fou furieux. Ou bien je passe à la maison et on va regarder s'il n'y a pas d'émission, peut-être. Comme dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est des missions où faut casser des trucs chez des gens. Hein. Non. C'est quoi ce bordel? Je devrais déjà être niveau 2 en fait, non? Le jeu il comprend pas pourquoi je suis pas niveau 2. Ah bah c'est bon. Non c'est pas bon. Je suis niveau 2, il faut que je sois niveau 3, pardon. Il manque un peu d'XP, normalement ça le fait là, non? 62, 82... Je sais pas, putain. Je crois que ça va pas le faire encore. Bon, on n'a pas trop le choix, hein. Il faut qu'on cambriole encore les deux mêmes maisons. J'espère qu'ils les ont remplies encore une fois. Ce qui est bien, c'est que je connais la route, quoi.
Et à chaque fois... Ah moi ça... Hop. Il y a de la replay value, tu vois, tu peux trop faire les niveaux. Ah putain, il l'a réparé. Non, c'était pas chez lui, tiens. Oh putain, il y a de la thune à côté de... Mais n'importe quoi. Tu m'étonnes que... Que tu vis dans la dèche, si ta thune, tu la mets à côté de la poubelle à chaque fois. Tu la perds tout le temps. Ça marche pas, ça. En même temps, quand t'as compris que ça va rien de la cacher parce que le psychopathe qui vient de voler, il vient tous les soirs et il trouve toujours ta thune, tu la laisses n'importe où quoi. À côté de la poubelle ou ailleurs, ça change rien, tu sais que tu vas te la faire voler. Mais là, il m'a saoulé donc. Tiens. Paye ça, connard. La gratuité est la plus parfaite. Je crois que j'ai les clés pour lui, non maintenant ou pas du tout. J'avais ouvert tout à l'heure. Voilà. Bonjour, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez de nouveau pour moi? Ah merde. Ah c'est chiant ça quand ils font ça. Ici aussi il n'y a jamais personne hein, je pense. Qu'on se le dise. Oh putain déjà complet. J'espère que le grippin c'était le plus cher. Y'a pas des thunes un peu là. Très bien. C'est vrai que j'ai une lampe torche. Faut que j'y pense. Je devrais leur mettre une lettre de remerciement, c'est ça? En fait, c'est juste quelqu'un qui sait que c'est une personne qui est dans le besoin, qui vient voler forcément, du coup il laisse toujours des trucs, tu vois. Un peu comme les cookies pour Père Noël, quoi. Par contre, il y a des passants, là. Regardez la map, comme GTA, putain. Champ de vision, là. Les Martins, c'est la troisième fois cette semaine, ça. Les flics, ils en ont ras le cul, c'est 80% de leur temps d'aller voir chez Martin ce qui s'est passé. Et l'assurance aussi. Ah putain, merci Seigneur. Les Martins, vous êtes en sécurité pour l'instant. Je reviendrai peut-être vous dire coucou si je suis nostalgique. Ah oui, je suis chez lui. Howdy. Franchement, ça rapporte tellement de thunes, putain, n'importe quoi. Pour zéro risque, hein, finalement. Avec le niveau de crochage, tu peux crocheter sa maison, peut-être, je sais pas. Écoute, on est loin de ça maintenant, tu sais. Je joue pas à Mountain Blade parce que je dois le faire avec un pote avant. Et j'ai pas envie de trahir la confiance. Et de le commencer tout seul et après, voilà. Voilà, on doit le découvrir ensemble, quoi. J'ai une histoire sur Mountain Blade avec un ami. On a mis le mode Europe 1200, pour ceux qui connaissent. Et pendant plusieurs années, on a essayé de conquérir l'Europe entière. C'est pas fait, bon. On a eu une espèce de diagonale dégueulasse en France, toute l'Italie, la Sicile, toute la bordure méditerranée en fait. Non. Non, tout ce qui est Maghreb, on l'a eu. Espagne. On était un petit peu allé en Croatie et tout. Je sais pas si la Croatie remarque. Je sais qu'on avait pris plein d'îles, plein de bords de côte, plein de conneries, donc je me demande. Mais on n'a jamais eu l'Allemagne, le Holy Roman Empire, parce qu'ils avaient 1200 châteaux. Bon alors, crochet du coup. Je dis vague. Je vais en acheter 50, non? On va tenter de voir venir comme ça. Ok, j'ai le crochet, frère, je fais quoi? Nouveau tutoriel. Oh, damn, il va y avoir un mini-jeu. Oui, je sais. Bon, je les ai achetés. Histoire. Et la suite de l'histoire là? Je veux savoir ce qui se passe à la suite de l'histoire. Dites-moi, bordel, j'ai besoin de savoir. J'ai acheté sur Audiscro. Je pense que je dois bouger avant. 112 les Watson. Ah oui, c'est eux qu'il faut que je nique. Habitude, ça il me le faut ça. Je vais acheter 100 balles. 80. Oh, ça doit rapporter cher hein, chez eux. Hein. Ok, bon bah du coup, il n'y a personne à la maison entre 1h et 4h, entre 9h et 14h. Oh putain. 1h et 4h, ça va le faire là, non? Pourquoi ils sont pas là entre 1h et 4h? Non, il y avait pas. Il n'y avait pas vraiment 1200 châteaux, mais je sais pas combien ils avaient de châteaux et de seigneurs au Holy Roman Empire, c'était n'importe quoi, sérieux.
Vous en avez au moins 30. Hein. Minimum, je pense. Du coup, c'est lesquels déjà? C'est les Watson ou les Powell? Cuisine. Cuisine, pas appris. Ok, donc là, bientôt, je vais chez Watson et après j'enchaîne sur les autres, ça. Les Watson, pardon, hein. C'est les 112, ok. La maison bleue, du coup. C'est bon, je fais plus dans le menu. Non, mais comme je disais, Mountain Blade, j'ai fait écraser quelqu'un. Mountain Blade 2, on pourra. Ils sont où ces enfoirés? 111, merde, ça s'arrête là, 111. Ah, 112, ils sont loin! On pourra se faire une partie sur Mountain Blade 2. Je suis pas tout de suite. Enfin, je vais pas me garer comme ça, non, si. J'en fous, hop. Putain, t'es encore là, toi. Casse-toi. C'est à quelle heure? C'est à 1 heure qu'elle se casse, la grognasse. Je peux pas, hein. Do it yourself, crochet simple. Mais je l'ai pas, cette merde, sérieux? Crochet. J'ai pas crochet simple, c'est ça qui me dérange? Genre vraiment? Non, quand même pas. Si, c'est ça, non? C'est que j'ai des vrais crochets et pas des crochets. Ça peut pas être ça quand même, si. Messieurs, vous serez surpris. Mais en fait, si! Je peux quand même les cambrioler, eux. Ah, je sais pas, remarque. Ouais, casse-toi de chez toi, là. Sors de chez toi! Demain, avec l'argent du chômage technique, je reprends mon subtil 1000 promis. Oh, salut. Entendu par un locataire. Mais casse-toi! Non mais dans 20 minutes elle se barre, on va essayer de rentrer du coup en pétant la vitre, je sais pas si ça a marché vu que c'est des vitres différentes. On verra bien. J'ai une petite fenêtre hein, parce que... Ils sont décalés les deux, ils ont pas la même style de vie tu vois, exactement. Enfin ils sont quand même tous les deux chelous hein, sortir juste la nuit. Salut rétro. Juste il faut deux objets pour crocheter, god damn. Est-ce que j'ai pas le droit d'être là peut-être? Lui va me saouler là. C'est toujours lui, hein. Je le reconnais lui. Alors elle a pas laissé où? Ok. Putain, je me souviens plus, ils m'ont dit. J'ai pas lu. Ah si, c'est bon. Ah! Il faut attendre que ça marche et après agir. Bordel. Quand ils vont commencer. Merde. C'est vrai que ça restart pas tout quand tu te fails. Quand ils vont commencer à être un peu plus durs et qu'il y aura des gens un peu partout dans la rue, ça va être chaud, hein, ces conneries. Salut, tranquille ou quoi? Cache-toi, non, 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 non. Il y a de la brume dans leur maison, quoi. Machine à café, alors ça! Quand tu vois le prix du grille-pain, tu te dis que la machine à café. C'est quoi? J'aime pas trop les. Non! Il y a des gens, j'allais taper dans tout, j'allais tout péter chez eux. Pour les punir d'avoir autant de possessions. Je vais me contenter de voler juste la thune. Parce qu'il y a une personne pas loin. Oh la caméra, alors ça mon gars. Là c'est les thunesses. Par milliards. Hein. La revente sera très simple en plus. Je vais me cacher aussi. Ah c'est la chambre du petit là. Don't mind if I do. C'est quoi ça? C'est des vers, ok. Pourquoi il a des vers? Je ne sais pas. Laissez-le vivre. Je vais mettre l'éclairage si je veux. Bon, vous comprenez pourquoi je le mets pas, je pense. Vous voyez quand même? Je suis désolé, mais je peux pas m'arrêter. Non, non, y a un ennemi pas loin. Un ennemi. Un ennemi de la République pas loin. Ah, le calice original. Tu peux lâcher la théière environ. Je pense que ça, tu peux la lâcher, tu vois. Ça, je pense que. Tu vois, je les laisse pas avec rien non plus. On dira pas que je suis le chien de Rubik's Cube, là. Non. Je suis pas non plus le gros yinche, tu vois. J'ai des valeurs, c'est quoi ça? Les dessins de ton fils, j'en ai rien à foutre, ça vaut rien ça. Le vase gris. Trouver mieux. Je peux peut-être trouver mieux, mesdames et messieurs. Gardez l'espoir. Des assiettes dans la chambre, tout va bien. Ils aiment bien tout avoir à portée, tu vois. On peut pas leur en vouloir.
Le vase jaune, il a l'air encore plus cher que l'autre. C'est bien, leur maison. C'est pas ce que tu vas trouver quand tout... Là, je vois rien, par contre. Bon, j'en oublie, mais on s'en fout, non. De toute façon, ils ont que des fringues. C'est quoi ces gens qui ont que des fringues dans leur chambre? Le vase jaune. Je vais en prendre qu'un équipement complet. Qu'est-ce que je pourrais tèche, là? En vrai, je vais garder la machine à café, hein. Je peux pas, genre, le porter à la main. Ils ont pas une télé, eux, peut-être. Oh, le trophée larme. Alors ça vaut trop cher, je le sens. Plus que le vase jaune, tu vois. Trophée larme. Ok. Oh, le coffre. Craquer le code. Non. J'ai plus beaucoup de temps, hein. Me direz-vous. Ça a rien que je regarde ça, en vrai. Peut-être dans les tiroirs, mais c'est que des fringues encore, on s'en fout. Là, il y en a 50. Je peux pas les ouvrir, tant mieux. La clé USB, attends, il y a peut-être hein, quelque chose de fou là-dessus. 20 tolrem. Qu'est-ce qu'il vaudrait plus ou moins cher que le 20 tolrem? Je sais pas, en vrai. Je me dis que le trophée larme, il vaut peut-être cher. Hein, peut-être plus cher que la bouteille, je sais pas. On va prendre les échecs. Oh, la boîte à... Ah non, la radio. Le réveil, on s'en fout. Bon, je vais me casser. Hein. Pas tout de suite, parce qu'il y a des gens. Ils vont... God damn. Ah, quand même, là, je découvre quand même. Je peux sortir ou pas? Ah oui. Tu peux ouvrir la porte de ce côté. Lui, il a découvert, mais il est déjà au chiottes. Ah, c'est bon. Ok, là, c'est pas ouf. Il y a vraiment... Nous ne trouverons jamais. J'ai été entendu par un locataire, c'est pas ouf ça, non? Il faut que je ressorte d'ici en fait. De toute façon, les flics, ils avaient pas capté que j'étais là, donc... Et là, il faut quoi? Il faut absolument que je reparte en voiture? Xanagi! Merci pour les 33 mois de suite. Le parking, peut-être que je peux... Invoquer ma voiture magiquement? Non, pas du tout. Bon, alors les flics ils sont dans ma bagnole là, 100%. Moi je peux me barrer à pied, hein, mais. Course poursuite avec la police. Tu peux fuir la police en quittant les environs ou te cacher dans un placard, une benne ordure sous le lit. Et attendre que la police s'en aille. Bah là je vais attendre. Hein. 2 étoiles quand même. Y'a un mec qui court partout là, c'est quoi ce vigilante? Y'a pas une benne ordure qui traîne, j'ai l'impression que si je me mets pas dans une cachette, effectivement. Hein? Si, c'est bon non? On est passé à 1 étoile. J'espère qu'ils vont pas me voir en passant. Ah bah peut-être un petit oiseau, mais c'est encore mieux, comme ça je peux lui faire du. T'as pas le droit d'aller les dénoncer parce que t'es un voleur. Mais si, comme ça, je leur fais du chantage. Des milliers de dollars. Le jeu est très bien noté sur Steam. Je crois qu'il est en très positif. Hein. Salut. T'as tranquille? Putain, il vous a su... C'est ouf qu'il vous est arrivé. Hein. C'est fou, c'est fou. Aucun quartier n'est sûr. Hein. Bon. À la prochaine. Tout va bien, bon on va aller à la boutique du prêteur sur garage parce que j'imagine la machine à café et tout l'autre, il y en a rien à foutre au junkyard. Ils doivent chacun avoir leur catégorie d'objets qu'ils prennent, eux. M'en fous, rien à foutre, 1 étoile sur 5. N'empêche qu'il y a le niveau qui est passé, il y a l'XP qui est tombé. Et la thune qui va tomber, 200 boules. 46, une caméra, mais gros bâtard. En même temps ça va être une vieille caméra pétale là, voilà. Toute pétée. La coupe en or il la prend. Le trophée larme, on... Voilà. C'est de la merde. Clé USB 25 balles par contre. Tu vas comprendre. On va avoir des trucs de fou dessus. Gros objet, d'accord, d'accord, d'accord. Alors on a de l'XP. On a de l'XP. C'est voir. Soit je cours plus vite. Ah non, permet de jeter des briques. Permet d'estimer plus d'objets sur place.
Niveau demandé 6. Ok, donc je vais prendre un truc là. Estimation peut-être, ça peut être sympa ça. Sorte pas être comme un con. Pas savoir ce qui vaut cher. Donc USB c'est cher mine de rien. Mais quand même quoi. Par rapport au prix de l'appareil photo, ça me fait un peu mal. Maison. Il faut que j'essaye d'acheter le machin do it yourself là parce que. Ils sont pas contents. Je peux pas progresser dans l'histoire et j'ai pas le lore, ça m'énerve. Cambriole for you. Ah non. Outil scroll, pardon. Moi j'avais acheté direct les crochets de fou furieux, tu vois. C'est bon du coup. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Ça marche. Et je suppose que je peux les péter. Un deuxième, j'ai peur. Oh damn, ok, c'est pas la même chose là. Oh, ouais, je peux complètement les péter quoi. Oh damn, damn, damn. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Eh ben allez. Y a pas des jumelles ou un truc histoire d'être encore plus chelou. Jumelles 1000, ok, non bah c'est bon hein. C'est une économie parallèle ce jeu. J'ai un peu de C4, y'en a fait genre. Ça j'en prendrais pas hein. Hein. 111 il a dit. Green view. Non mais ça c'est du menu fretin ça, je m'en fous moi du 111, j'étais... Oh mais il apprend à conduire chauffard. Ah putain le stalker. Marc. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Box. Non mais là je connais leurs habitudes parce que... Parce que j'ai payé, non? Pour les connaître. Ou alors il suffit de venir une fois, faire R et c'est bon quoi. Ciao Knights, à la prochaine. Ouais Xanagi, je me souviens que les débuts de Mountain Blade, c'est chaud. Surtout s'ils ont l'air d'avoir ajouté de nouveaux trucs sur le 2. Side engine. Ok, carton important à l'intérieur. Il se barre bientôt, lui, je suppose. Là. Je fais quoi? J'attends comme un débile ou je vais cambrioler un peu à côté? Non, je vais attendre. Je vais attendre. On va y cambrioler eux et seulement eux. Dormir dans les parkings. Ah, ça, c'est fou, ça. Ça, j'adore. On adore, on adore. Je suis loin, ceci dit. Ouais, quand même. On va dormir dans le parking, les gars. C'est à ça que ça sert. Et là, j'ai une boîte. Oh là là, mais quelle folie! Cette vie qu'on vit, hein! C'est fou quand même! Putain! Parfait ça! Dors. Et quelle heure là? 8h. Dors 1h genre. Et est-ce que je peux voir à distance s'ils sont toujours là? Non? Tu vois? C'est bon, parfait, parfait, parfait. Sors du jeu. Sors du jeu. Oh alors. Du coup. Eux, il y a une petite technique pour aller chez eux. Eux, ils disent de crocheter, mais bon. Non, non, non. Enfin, remarque, je vais pas avoir le choix avec eux, je pense. Il hein. Y a plein de monde aux alentours, là. C'est la folie. Moi, ouais, j'ai pas le choix de crocheter. Do it yourself, crochet simple. C'est là. Putain, j'ai cru que j'allais être l'oracle de Twitch. Il y a une télé. S'en aime. Ouvre doucement. Et si je suis debout, ouvre doucement quand même. Ah non, ouvre doucement. Tenir eux. D'accord. Prends la radio. Je m'en fous d'ouvrir doucement. Oh, les thunes, thunes, thunes là. Hold. De vieil argent apparemment.
Écoute, pour moi, ça n'a pas de. Voilà, ça n'a pas d'impact, ça reste de la thune. Je suis désolé, mais je dois le faire. C'est ma signature. C'est devenu ma signature, notre signature. Vous êtes complot. Vous êtes. Je sais plus comment on dit, complice. La vieille télé. Chut, chut. Ouvert comme un sac. Je peux pas ouvrir les portes avec la télé dans la main. Alors, c'est juste moi hein, qui voilà qui sort ma télé. Je la promène un peu. Ça va être chaud là, non? Il arrive à Mach 10 l'autre en face là. En plus, il a une pente à 5%, ça va l'aider. Il ne sait pas, c'est que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Détecté. Ah merde. Non, c'est bon. Tu fais quelque chose de louche, mais je l'ai lâché du coup, c'est bon, c'est pas louche. C'est moins louche de lâcher une télé que d'en avoir une dans les mains et de la garder quoi. Mettre là par contre. Voilà, mesdames et messieurs. Mais je l'ai volé le carton, non? On est d'accord qu'il est dans mon inventaire là. Carton au contenu louche. C'est mieux marcher hein, dans ce quartier, il n'y a pas beaucoup de. Pas beaucoup de circulation. En arrière. Qu'est-ce que j'ai volé comme merde? Prêteur sur gage, peut-être la radio et tout là. C'est un jeu Bethesda, il y a l'esthétique. Oui? Rude, putain. Welcome back. Welcome. Vieille télé. La radio et on garde le carton contenu louche, hein. Peut-être qu'on va en savoir plus sur notre personnage finalement. D'où il vient, qui est-ce? Il y a peut-être une histoire. Salut toi, Thomas. Buongiorno. Alors du coup. Attends, non, c'était où déjà? Autre? Peut-être, ouais. 100 balles. Quand même le double de ce que j'aurais eu en le vendant à l'autre bolos. Oui, Vinny. The Lombardis think their Ils friend sont on partis. Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. N'importe quoi. J'suis vraiment un mafieux en fait, hein. Cambrioleur qui trempe dans tous les trucs louches. Gants d'escalade? Ah, je pourrais sauter par-dessus les barricades et tout, je pensais que ça. Outil de crochetage automatique. Oh, aïe 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 aïe. Il y a quand même des prérequis. Hein. Alors, je peux faire des trucs. Casse ou vole le tableau, le baiser. Casse ou vole un tableau. Les bakers encore, putain, j'en ai marre, les pauvres, quoi. J'accepte. Hein. C'est que je te dis, moi. Que veux-tu que je te dise? Et mon crochet là, il est utilisé ou pas? Non, je peux encore m'en servir. Tout va bien. Pour avoir un jetpack, putain, j'espère. Greenview, toujours les mêmes, hein, qu'on frappe, même quand ils sont à terre. Après, j'imagine qu'on changera de quartier. Dans les... On ira dans les autres sphères. Mais là, il y a quelques maisons quand même qui sont fat, hein, j'ai l'impression. Je voulais dire. C'est quoi déjà là? C'est le. Putain. C'est le. Un boulot 1 sur 2. Casse ou vole un tableau, c'est les 110. Y a des gens? J'ai eu personne chez les Baker, je crois. Odem. Attends. On n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux annuler. Bon, attends. Parce que là, il y a un mec qui passe. Personne n'a entendu. Alors, attends, signature move.
Il est où? Putain, je la connais par cœur cette maison. D'accord, il faut que je le porte. Je sais pas si je peux mettre plusieurs objets lourds dans mon dans mon coffre. Je vais pas prendre ça, franchement. S'il y a de la thune, à la limite, je dis pas. Non, il y a pas. La casserole aussi, je pense que je peux m'en passer. Merde, même dans ce sens-là? Magnifique, ça. Putain. J'ai l'impression de déranger tout le monde, là. Tu bloques le trafic, gros, ça va. Tout va bien, elle ne se doute de rien. Elle n'a pas klaxonné, hein. Putain, on n'est pas... On n'est pas à Marseille, hein. On n'est pas à Lyon non plus. On n'est pas dans n'importe quelle ville, en fait. Dans n'importe quel pays. Yes, I. Je vais les empiler, mon pote. Ok. Ça, c'est fait. On peut le rayer de la liste. Il faudrait pas que je ferme la porte, histoire qu'ils arrêtent de... Qu'ils viennent pas dire, ah, oh, c'est cambriolé, tu, c'est chaud. C'est jamais, on sait jamais avec ces gens, hein. Boulot zéro. Alors, casse leurs vitres. Et c'est tout chez eux. C'est fou ça, cette vie. Il faut et que je pète leurs vitres et que je vole le tableau. J'adore. J'adore. Je vais faire office, écoutez. Juste eux, leurs horaires, c'est quoi déjà? C'est pas maintenant du tout. C'est vrai que c'est la nuit. C'est des oiseaux de nuit. Pour dormir. Space. Une heure, il me semble. Comment l'acheter, tu voles? Non. Est-ce qu'on mettrait pas la voiture un peu plus proche, tu vois? Non, on va me dire que je bloque la circulation aussi ou c'est bon? Il a tué? Il y a eu un problème là, non? 113, je m'en fous du 113. Ah, c'est pour escalader ça? Putain, ça va être de la merde le truc d'escalade. Moi, je m'attendais à passer par-dessus n'importe quelle clôture, tu sais. Le mec, il a des gants d'escalade pour grimper du lierre, quoi. Je m'attendais à mieux de sa part. Je passe pas par-dessus non plus. Je pourrais me cacher ici, si besoin. S'il y a les Ndek. Tranquille ou quoi? J'appelle pas ça dormir, hein, perso. Faut que je pète cette vitre là-bas. Allez, on y est presque. Par pitié, casse-toi de chez toi. Parce que oui, ils ont beaucoup trop de trucs qui valent de la thune. Je peux pas les laisser vivre comme ça, quoi. C'est bon, chill. J'ai eu peur, ça clignotait en rouge en bas à gauche, je croyais qu'ils allaient appeler les flics juste parce que je me baladais un peu chez eux, bon. Un cadavre, ça risque pas de quitter la maison, hein. Putain, tu niques tes habitudes là, c'est chiant, hein. Je pense que c'est fait exprès pour la quête. Ah ouais, il me faut un coupe-vert pour chez eux, putain. Je vais quand même essayer de rentrer par là. Si je le fais vite... Oh putain, ok. Je me rappelle plus de la touche, ok. Bordel, il y a quelqu'un qui arrive. C'est quoi ces bruits? Voilà, voilà. C'est chaud là, hein. Parce qu'il y a l'autre qui va se ramener. Mais il y a lui qui casse les couilles. Lui, je le reconnais, c'est toujours le même. J'aurais dû faire le tour. Ouais. Tant pis. Ce qui est fait, est fait. Advienne que pourra. Seul Dieu peut me juger. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Elle m'a entendu, mais elle va pas se lever, donc... Il me semble que... Moi, je m'en fous. Le tableau est dans sa chambre, c'est ça? Elle entend pas, salope.
bordel, il est où ce tableau? Arrête d'ouvrir les trucs comme ça. Elle a pas entendu. Elle a entendu, mais elle fait rien de toute façon. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, ça vaut rien, je le prends du coup. Où était la thune? Embarque, embarque. Non, mais je vais prendre la machine à café, je vais me casser le tableau, il est 100% avec elle, non? Ok. Ouf. Oh merde. Bon. Une seule chose à faire dans cette situation. Il était là le tableau. Je croyais moi que c'est la vitre qu'on m'indiquait. J'avais pas capté que c'était le tableau. Est-ce que je me cacherai pas dans la poubs? Ils peuvent me trouver quand je suis là ou pas? On va voir. N'importe quoi là. C'était pas du tout smooth. Elle dort sur le tableau. Qu'est-ce qu'ils font les flics? Ils sortent pas de leur voiture, non? Ah si. Eh ben, une affaire vite résolue. Ah mais c'est pour ça qu'ils ont mis 50 ans à partir tout à l'heure, c'est qu'ils n'arrivent pas à partir. Ils bug. Ouais. Du coup, je pense que le jeu, il les laisse essayer, et puis après, il les fait des spawns, on va voir, mais... Genre, s'ils arrivent pas à partir, à mon avis, au bout d'un moment, ils les enlèvent juste. Je sais pas ce qu'il fait sur la direction, là, mais c'est une folie. Ah! Oh! Il a réussi. Et après, on dit que moi, je conduis mal. Franchement, là, vous allez être plus indulgent avec moi sur le chat, je pense. Je vole les Watson en ce moment. Passé. Salut, Cristiano. Où est-ce qu'il y a ce lot-là? C'est l'autre qui fait des burns, là. Ah, il est parti. Ok, lui, je vais avoir sorti une poubelle, ça va pas le choquer. Non, c'est bon, il regardait pas par là. Bon, alors, tout le monde est rentré à la maison, ça? Ah oui, merde, là, ils sont bien à la maison, là. Ils sont juste à côté du tableau, hein. Mais ils font quoi en fait si genre je viens et que je prends le tableau devant eux? Ils essayent de m'arrêter ou? Quoi? Ah, tu bloques le chemin. Putain, même ici, hein, ils me poursuivent. On peut se garer nulle part dans cette ville, c'est simple? C'est pas ce que je voulais faire. 2$ de réparation, ça va franchement. Acquisition d'expérience. 10 fois plus d'expérience quand tu voles quelque chose pour la première fois. D'accord. Je m'en fous, je reviens les hanter là. 100%. D'un jour à l'autre, je reviens. Chaque jour, je reviens les hanter jusqu'à ce que j'ai ce tableau. Bon, je vais la laisser là. Je me trimballerai le tableau jusqu'ici, écoute. Il y a plein de résidents qui traînent de partout, mais bon. J'y crois. I believe. Ah là, les deux se cassent, du coup. Ça, c'est très bien, par contre. Ce sera plus simple. Surtout que... A priori, j'ai pas accroché, du coup. Putain, mais... Là, il y a lui. Il y a toujours lui, je le déteste. Le blond au t-shirt bleu. Et au cargo short, putain, la faute de goût en plus. Impardonnable, impardonné, ça casse-toi Rick. Chad. Ah merde, il faut quand même... Ah oui, ils ont refermé la porte en même temps, hein. On peut pas leur en vouloir. Le pitchoun. Ça va me fatiguer ça, si tu veux pas me donner le truc, merci. Ouais merde, il revient. Enfoiré de Chad. Je te déteste. Tu pouvais crever, tout le monde s'en remettrait, tu vois. Comme un barbare. Putain, mais
Ok, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le jardin quoi. La radio, le vase, la coupe en verre, la thune sur la table dehors dans le jardin. Oui, 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 oui. Dans le barbecue, il n'y a pas de la thune aussi. C'est pas trop avec eux, hein. Alors, la machine à café SVP. Pas le grille-pain, bordel. Même s'il a l'air en meilleur état que... Oh! Comment je vais faire là, pas avec deux objets? C'est pas crédible là ce que je veux faire. Je pense que si je jette la télé... Ok. Si je mets la télé, genre... Tu vois, si je la laisse sur place en ramenant pour ramener le tableau, est-ce que les gens qui se baladent, ça les énerve? Ça les trigger ou pas de voir un tableau et une télé par terre? On va voir. Qu'est-ce qu'il en dit lui? Il en a rien à foutre, ouais. Il va le ramasser le tableau. Ok, ça c'est un bon point. Putain, merde. Lâche là. Trop de gens là qui se baladent dans cet endroit, c'est un truc de fou. Cassez-vous, non, mais non, je sais pas. Ils font quoi à cette heure-là à se balader tous? Je t'ai fait contrôler? Une voiture dans un bruit qui s'est... Attends, faut que je lise après, mais là, je suis moi-même dans l'illégalité la plus parfaite. Descends la pente, le baiser. Il va me voir avec une télé, l'autre. Ouais, il s'en fout. Ok. J'espère qu'il n'y a pas une gestion de... la détérioration des objets et tout, je pense pas. Ils ont disparu, j'ai bien le seum, hein. Ils sont là. Oh, j'ai encore l'autre tableau, c'est vrai. Mais je vais avoir la place là. Bon, ça oui. Et la télé? Bon, allez, ça rentre là, la télé. Tu l'as fait rentrer. Démerde-toi. Enfoiré, il la rentre pas. Faut que je la prenne dans la télé. Quand même. Non, je fais un louche. Non, ce n'était que le vent. Oh, ça bloque la route, c'est ça? Putain. Ça passe pas non plus dans ce sens-là. Bon, je vais le détruire, hein. C'était soit le prendre, soit le détruire, non? Ça va bien les conneries. Hein. Vous avez été entendu par le locataire? Quel? Locataire de quoi? Voilà, ça s'est fait dans la douleur, mais ça s'est fait. On a réussi. Presque parfait, le crime parfait. Prêteur sur gage, tiens. Ça tranquille, Cunninghouse? Alors, la télé, normalement, ça va me rapporter moult XP et thunes, non? 50 XP la télé. Putain, normalement ça rapporte 10 d'XP du coup, ça veut dire? Parce qu'ils ont dit que ça rapportait 5 fois plus d'XP la première fois que tu volais les trucs, ça? Je sais pas, j'ai peur, je vis dans la crainte. En tout cas, c'est le niveau supérieur. Le travail récompensé, l'honnête travail récompensé. Voilà. Petite télé. 120. Le trophée larme. Arrête de me remettre sur le baiser. Parce que le tableau, je dois le ramener, je sais pas où, non? Le vendre sur internet, je sais pas quoi. On va le ramener. On verra bien. On a déjà 1400 boules en quelques jours seulement. Ça, les traders le détestent, hein, ce gars-là. Il fait de l'argent très rapidement. Pire voleur jamais créé, je te parie pas. Mais j'ai déjà fait ça. Ah oui, il y a ça. On va le faire parce que c'est l'histoire, les gars.
Oui, Vinny. Les Lombardies. Fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Moi, je suis pas allé alors. Hein. Casser leur toilette. C'est mieux, Soso. Salut les drifters. Vraiment, je suis prêt à tout pour l'argent. C'est un truc de fou. Art. Ah putain, je pouvais les ramener là, tu vois. Ça me rapportait un peu plus de thunes. J'avais pas fait gaffe. Et du coup, c'est quoi, c'est une antiquité pour eux? Non. C'était là, en fait. Petite voiture. Ça vaut 13 000 balles, ça. Si on les ramène toutes. C'est vous, cette vie? Et donc, le tableau, j'en fais quoi? C'est juste, moi, ma mission, c'était que le voler, rien d'autre. Les Jones, les David, les Miller, les Watson, les Powell. Voilà, attends. De toute façon, là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite si je veux voir les trucs que je peux acheter, mais je crois que je pouvais pas acheter grand-chose de plus. Parce que tout coûte extrêmement cher. J'ai un niveau, cependant. Niveau 5. Permet de jeter des briques. Je vois pas en quoi c'était de l'agilité de jeter des briques, mais bon. 25% de place en plus, ça par contre, ça me parle beaucoup. Ok. Et à la fin, c'est quoi électronique niveau 5? J'y suis pas encore. On va pas se mentir. Casser les toilettes au 113, achète des astuces pour obtenir de l'aide. Non. Non, je veux pas. Je veux pas d'aide. Je veux juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs que je peux péter tant que j'y suis? Écoute, on prend toutes les missions, désolé, je fais 50 allers-retours avec ce PC à la con, mais bon. Les Powell, là, ouais. C'est ce qui me semblait, ouais. Eux, on va tout leur péter, hein. Les pauvres. Greenview Street. C'est quoi ce jeu Fallout mélangé à GTA? Fallout? Chauffard. Si on écrase quelqu'un, je sais pas si on peut en rien. Alors je les ai jamais fait, merde. Ouais, la voiture est garée bizarrement, gna gna gna. Encore un qui est mort, une autre victime. Putain, il y a un passant. C'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Toute la journée ils se baladent, c'est ça? Je demande, mais je le sais, c'est ça. Putain, il est juste... Ah, attends, je pouvais le marquer, là. Il laisse la fenêtre ouverte à l'arrière, d'accord, j'avais pas vu, hein. Je vais pas te mentir. J'ai cru que le jeu c'était Tiff, je me disais aussi qu'il avait bien évolué pour un beat commercial. Putain, c'est vrai que ça c'était un massacre à la sortie. Y'a rien d'autre qu'ils ont envie de me dire là? Non? Le coup vert quoi. Un coup de pied de biche, ouais. Le problème c'est qu'il y a, l'autre qui campe dedans. Et bientôt ça va se barrer. Dans pas très longtemps. Est-ce que j'attends? Fais voir. La plage horaire. De quand il va se casser vite et bien. 9h. Bon. Je vais pas attendre jusqu'à 9h hein, quand même. Je vais aller me garer et dormir un coup, non? Ceci est déjà 8h. Hein. Une minute en gros, on a à attendre. Vous y arrivez ou... Justif, c'était un reboot d'un vieux jeu qui est culte. Ils avaient fait il y a quelques années, qui n'avait pas du tout fonctionné. Et c'était un jeu où tu étais un voleur, littéralement. Tu pouvais un petit peu te balader. C'était un voleur acrobatique, disons. C'était un jeu d'infiltration. Maintenant, il est juste debout dans sa chambre en train de réfléchir. Ah, moi, le nombre de passants. Il y en a encore plus le jour, c'est ça? Toujours lui, hein, il a des petites lunettes en plus. Il est incroyable, lui. Par contre, il a changé de trottoir hein, quand même quand il m'a vu.
Et ça passe, il faut que je pète leur toilette. Que je casse ou vole la décoration poire. Je vais apprendre à la décoration poire. Putain, j'ai encore le tableau du coup. God damn it. God damn it. Vachement touristique, mais clairement. En même temps, il y a toujours les mêmes connards qui traînent là. Qui font le tour de la ville. J'espère que tu sortiras pas par là. Il a entendu ? Je pense qu'il entend quand je fais ça. Non ? Peut-être pas. Non, il n'entend pas. Je la laisse comme ça pour l'instant. Et normalement, t'es censé te casser là. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vis comme ça ? Tu continues, tu persistes à vivre. Personne ne te le demande finalement. Oh putain, ça je peux pas. Projetage niveau 3 ! Moi, je vais rentrer par là. Hein. Son nez à sa barbe. Qu'est-ce qu'il fout dans le coin de sa maison ? Il est dehors ? Non, il est vraiment collé à... Putain. Je peux mettre un coup de pied de bichelle, là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bloqué la souris. Non, c'est bon. Alors, je connais un endroit sûr, les gars. Je connais un endroit sûr. C'est bon. Parfait. Je l'ai chiant comme le cul, c'est un peu lent, voilà, c'est un certain rythme. Hein. Il pardonne pas par contre, hein, ce putain de jeu. Après, c'est un simulateur, hein, donc c'est censé être lent, entre guillemets, je suppose. Faut prendre le temps, tu vois, de faire les choses, d'apprécier ce que c'est le métier de voleur. Ça va faire comme tout à l'heure, il va pas arriver à se barrer l'autre. Tester de te faire choper par les flics, je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est un gros game over ou... Mon dieu, ils ont réussi à se barrer direct les flics, incroyable. Non, il y en a un qui arrive pas là. Ah bah il a pas le time Leonardo, il n'a absolument pas le time. Ça se comprend, le mec il est appelé là tous les jours, deux fois par jour parce que je viens cambrioler des trucs. Il y en a un peu ras le cul, tu vois, il laisse tourner le moteur maintenant, il sait, hein. Il sait qu'il vient pour rien. Normalement, t'attends la nuit, bah je peux pas, parce que tu vois, ils ont des créneaux horaires où ils sont là ou pas là, c'est con, là. Mais en fait, l'autre, il est resté, parce que quand t'as des missions, il reste, des fois, et je savais pas qu'il allait rester. Je vais péter la vitre, je vais rentrer, je vais tout casser, je vais me casser en courant, quoi. Bordel, il peut se barrer, le flic. Tant que je suis dans la zone, il se barre pas, c'est ça. Mais il est bugué. Maman. Il est complètement bugué le flic. Ah ok bon. Tout va bien. Bon du coup ils vont tous les deux être là ça. Non, toujours que lui. Alors du coup. On va fermer ça hein. Faisons pas les erreurs du passé. Mais si, il est à côté de la vitre. Enfin... Mais il a bugué, non ? J'adore. La caméra. J'adore ça. La guitare, là. Yamaha en plus, hein? Ah, il va m'entendre là? Pas de raison, hein? Moi je croyais qu'il regardait à la fenêtre. C'est mieux comme ça, il médite. Il entend pas ça. Que je taquine la serrure. Mais non, il a rien entendu. Il a entendu, mais il s'en fout. C'est encore mieux, j'adore. Le vase, il fallait que je le vende, je crois que c'était une mission. La live... Ah ouais, vraiment. Je prends le routeur. Ah, il faut que je pète son chiotte, c'est vrai. Mais alors là, il va appeler la police instantanément, je pense. J'hésite un peu sa maison, du coup. Il a deux routeurs, quand même. On sait pas trop pourquoi, mais il en a deux. Ils sont pas si loin que ça de l'autre. L'un de l'autre. Disque dur. Équipement complet. Fuck! Puisqu'on a le temps.
Réveil, je pense que ça vaut moins cher que d'autres trucs en vrai. Je voulais juste le prendre pour l'XP, mais... Bah le vase aussi, si je le ramène... Non, 5$, c'est bon. Je vois les prix de la guitare. Non, je sais pas encore. Oula, je l'ai pas comme ça. C'est que dur, hein. Tous ces petits secrets, là. Et ça, là. Non. C'est un homme connecté. Ça c'est clair, il est 2.0. Oh bah regarde. Non mais le routeur aussi, il faut que je le prenne quand même, non? Il est marqué 10$, hein, ceci. C'est un peu de la chiasse, c'est de luxe. Non? C'est quoi ça? Téléphone knock. Allez, prends le... Prends le téléphone knock. C'est ça qu'on adore. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec les origamis tous dans cette ville, mais c'est une passion collective. Imprimante? Ampli Jomaha. Alors ça vous a pas dérangé de mettre Yamaha tout à l'heure, donc pourquoi la Jomaha, je ne sais pas. Ou alors la guitare s'appelait Jomaha aussi. Yomaha, pardon. Putain, il me ferait douter du vrai nom, tu vois. Je vais prendre l'imprimante, hein. Je vais me gêner. Voyager nar myself. Oh merde. Ah oh, il m'a vu, mais comment il sait? Parce que je suis en train de ramper. Ah non, il s'en fout. Il m'a vu, mais il est pas vraiment sûr. Du coup, voilà, il peut rien prouver. Pourquoi? Rien fait. Et toi, tu fais quoi? Ah, d'accord, tu vis là, ok. Il en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Moi, ça me va. Tant qu'on reste dans le réalisme. Bon, je vais virer le tableau hein, si j'ai pas la place, mais... J'ai jamais eu un objet aussi lourd. Non, ça passe. Je fais rien de louche. Okay. C'est vivre, c'est être louche. Bah, pardonnez-moi, je ne m'excuse pas. Ok. Boutique de prêteur sur gage. Alors là, mon gars, l'imprimante, tu vas me régaler. 300 balles, il y avait marqué sur internet pour la guitare. Ok, faut que je la garde. En fait, je vais tout garder, non? C'est lié à des villageois de Minecraft. À peu près, sauf qu'ils peuvent pas faire des échanges, même pas ça. Je vais aller voir à la maison avant. C'est qu'un sombre. Les chiottes, j'ai pas pété les chiottes, putain, c'est ça qui manquait, bordel. Du coup, je peux pas progresser dans l'or, fais chier. Pas grave. Alors, électronique peut-être, qui veulent l'imprimante. Ils sont pas encore prêts pour l'imprimante. Uphone. Non, j'ai le knock. Ils veulent pas le knock. Tant pis. Autre. Guitare Yoma, 300 boules. Ça, on adore. Bon, ben voilà, j'avais qu'un seul truc en fait, XD. Un prêteur sur gage, hein. Est-ce que j'ai pas des trucs que je peux péter dans votre quartier près de chez vous? N'hésitez pas. N'hésitez pas à me biper. J'ai bien avancé dans la partie Subnautica, oui. Cambriole for you. Ah, les Jones, je les déteste, les Jones. Casse leur vide, casse ou vole leur télé, casse leur évier, casse tout. Les Miller, les Davis, les Jones, le papa, les trois. Ils ont des maisons de mid-tier richou là. Ça va tomber tout de suite. Horreur des moyennes classes. L'imprimante, mon brave. Regarde ce que je te ramène. J'espère que tu vas me régaler avec ça. Welcome back. 270 boules, hein. Le baiser. Le vase poire jaune. Oui, non, il fallait que je... Disque dur, c'est un truc de fou. Le knock, c'est finalement ce qui vaut moins cher. Bon, comme en vrai, si... J'ai pas cassé les toilettes, j'ai oublié de casser les toilettes, mesdames et messieurs, mais on va le faire. Alors là, on va le faire en 2 secondes, par contre, je vous annonce, hein, ça va être très rapide, ça va être expéditif, ce cassage de toilettes. Il va y avoir très peu de respect pour ces gens-là. Et après, les autres, 103, 104, ils sont là, il y a le 104.
C'est mon virage préféré du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo. Mon plus grand kiff. Ridicule cette affaire. Il est où le deuxième routeur déjà? Il est là. Oh. Non mais ils vont pas savoir que je suis là. Oh damn. Ils ont pas entendu? Eh bah putain. Oh ça me le faut je crois, non? Il fallait que je le ramène. J'ai pas voulu le barbecue tant qu'on y est. Je le mets dans ma poche. Ils vont même pas voir que j'étais là. Tu sais quoi, ils le sont. Je vais fermer la fenêtre. Ils ne sauront jamais. Le PQ. Prends leur tout. Prends leur tout. Voilà pour vous. Vous êtes servis, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Ils sont là-bas les salauds. J'arrive à toute berzingue. Mais ils se tapent des pics de vitesse. Ah, je peux mettre une caméra dans la boîte aux lettres. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux. Alors, par où est-ce que je vais rentrer dans votre bordel? Est-ce qu'il laisse une fenêtre ouverte à l'arrière eux aussi ou... Là c'est de la sacrée maisonnette déjà. Là c'est de la sacrée maisonnette. Rien. Ah mais pour entrer chez eux en fait faut être hoche hein. Ah je peux rentrer quand même. Salut. Je t'ai vu, je t'ai vu. Oh issu. Qu'est-ce que je fais là? Il suffit de les marquer comme ça pour avoir toute la plage horaire sur ce qu'ils font pendant cette plage horaire. Mais j'ai entendu, mais je peux vivre ou... Comics Showcase, ok. Je regarde, n'y a-t-il pas une entrée? Ça m'étonnerait quand même. Ah, il y a ça, que je n'ai pas d'ailleurs. Faites bien de me le demander. Je peux le débloquer là. Sinon j'ai crochetage niveau 3. Avec un outil de crochetage automatique, mais ça on adore. Ça on adore en fait. Qu'est-ce qu'on adore plus entre les deux? Je vais prendre ça pour l'instant. Les vignes vierges. Ça fait beaucoup de conditions. Tu as esprit mal placé. On va commencer par les 103. Tiens, putain, mais il y a du monde là. Et la voiture, ça dérange personne, hein. D'habitude, ça gêne là. Il est mal placé, c'est chiant. Je me préserve de me mettre sur le trottoir. Et si je rentre à pleine vitesse dans... Putain, je peux rentrer comme ça, les gars. J'ai trouvé. L'astuce ultime du jeu. C'est fou. Bon, et voilà. Je peux pas, là. À moins qu'il y ait un mur invisible qui s'étende sur des kilomètres. Non. Oh les putes! Ah ouais, c'est la folie. Je suis mort là. Enfin, je suis mort. Piégé quoi. Je vais me cacher dans le barbecue? Mon dieu. C'est la fin! La fin d'une époque! Elle fait toujours son jardinage hein. La police cherche ta voiture, bah c'est bon. Charge. Oh non, mais j'ai pas sauvegardé moi. C'est quoi l'enregistrement? C'est où? Oh, ça va! En tout cas, on peut rentrer comme ça. Ah, y'a personne dans la rue là, vu qu'ils ont pas encore respawn tous. Faut en profiter. Moi, je m'attendais à ce que genre on paye une caution ou je sais pas quoi. En fait, non.
C'est pas grave ça, non? Découvrir l'habitude de l'habitant. Alors je suis pas sûr que ce soit son habitude de faire ça. Oh, regarde-moi ça là. N'importe quoi là. Là on est dans la folie pure et simple. Du coupe vert. Ouais bon. Odem, j'aurais pas le temps là. $17 et en plus il me défonce la voiture. Bon, celle-là elle est pas encore prenable, je vais essayer la 102 à côté, elle a l'air un peu moins. Elle est un peu moins barricadée, je pense. Enfin, les autres ils ont mis un budget dans l'anti-cambriolage, c'est un truc de fou furieux. Je te vois toi là-bas. Hein. Je te vois. Sache que je te vois. N'est-ce pas? Je sais ce que tu fais. Pas la marquer, ça marchait pas. Allez, alors j'espère qu'ils ont pas un système à pointe de la technologie encore. Ok. D'accord. Voiture garée dans un endroit bizarre, non mais ça va quoi. Putain, mais tout de suite! Genre. C'est pas le même quartier là, hein. Chez les pauvres, ma voiture était mal garée, ça dérangeait personne en fait. T'es crasé, tu vois. Et il y a quand même les flics qui se ramènent pour ça, putain, les pauvres. Les pauvres qui viennent pour ça. Je me casse, je vais aller vendre les trucs que j'ai. Apparemment, ça me les a laissés. Non, il fallait que j'aille, essayer de les vendre sur internet. F. Et j'ai quand même pris un niveau. C'est fou cette vie qu'on mène. Ah! For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? Mm-hmm. Ça tombe bien. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Salut à ceux qui vont bouffer ou prendre leur douche ou quoi que ce soit. Non, je me trompe. Je me trompe parce qu'il y avait une icône de maison, du coup j'ai cliqué dessus. Non, il y avait une icône de... Si, il y avait une icône de maison. Je suis pas fou. Pawnstar, ouais. Exactement. Racheter mes trucs. Une fortune de préférence. Là, rien. Là. Ben voilà. Le routeur, la radio. Et rien d'autre, mais c'est déjà pas mal. Ça permet de vivre. Faut peut-être que je prenne les gants, non? 1200, quoi. Oh 1200. Mais de toute façon, j'ai pas vu de truc niveau 3 pour l'instant. Si, il y avait quoi en niveau 3 à crocheter? J'ai vu niveau 4. C'est normal que tu vois à travers les murs, ça vous arrive dans la vraie vie. Oui, ça, des fois. Kingdom Come, putain. J'avoue que c'était une belle... un beau stream. Bon, bah, je vais mettre mes 1200 là-dedans, à moins que je puisse acheter... je sais pas. Rien, en fait. Je pourrais acheter des informations. Je vais prendre les gants d'escalade, parce que sinon, il va me dire de le faire à un moment, non? Et je peux quand même acheter ça, vas-y achète. Franchement là, régale-toi, c'est sur moi. T'as travaillé dur, tu mérites d'être récompensé dur. J'ai envie d'acheter les habitudes de l'habitant, ouais, ça me saoule tout ça. Mais c'est tellement cher. C'est tellement cher. Castle Story, putain, quel jeu de merde pourtant ça. Excusez-moi de le dire, mais bon. Je peux y faire à cette table. Ah d'accord, je peux réorganiser l'espace tel que je le souhaite parce que c'est chez moi, figurez-vous. Mais que les tables par contre, hein. Que certaines tables. Ok. Les fameuses musiques de simulateur. Les fameuses. Ta-da-t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 a-
De toute façon, j'avais pris plein de missions à péter des trucs de partout. Je crois qu'il y en avait d'autres à débloquer encore. Moi, je les prends toutes, hein, on sait jamais. Ça fait longtemps alors à 4 as, hein. Castori, c'est bien. accepte tout. Je sais pas si j'ai un délai pour le faire, mais. J'ai toujours l'impression que quand j'accepte des trucs comme ça, en fait, ça pose les PNJ dans des situations desquelles ils ne bougent pas. Ce qui rend certaines missions un peu chiantes, un peu dures à faire. Allez, je vais péter ça. Ah, mais ça me fait plaisir de péter la vitre de leur voiture à eux, mais je crois qu'elle est à l'intérieur de leur garage, non? Ça aurait du sens. Quand même essayer. Tédédé, voilà. Ça c'est magnifique ça. Il y a une radio. Oh damn. Toujours plus. Yeah. Il va appeler la police ou il s'en fout? Il s'en fout complètement. Ah. Ah, il s'en fout. Je bloque le... Ah oui, je bloquais le trafic, effectivement. Bon, là, on n'est pas chez les Richoux, donc je vais les traiter de manière équitable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux que je pète ou vole leur télé et que je casse leur toilette et que je pète la vitre de leur voiture. J'adore. On va les traiter de manière respectable. L'autre, elle est morte là-bas dans la chambre derrière. Ah, c'est une porte. En gros, c'est avant cette heure-là qu'ils sont pas là, quoi. Ok. Ça mène où en fait? J'ai envie de crocheter pour voir. Ce qui est chiant, c'est que là ils sont là, du coup en vrai il faudrait que j'aille attendre dans un parking quand même, mais bon. Projetage niveau 4, un coupe vert en plus. Ça c'est pas mon level ça, hein, clairement. Yo. Casse leur toilette, casse ou vole leur télé. I will. En combien de temps tu fais ça, toi? Wow! Elle a fait un espèce de move, là. Oh, on a laissé ouvert? Ce ne sera pas oublié. Je vois qu'il y a un petit knock en plus, là. Le petit knock dans ma poche, le petit knock! J'adore les knocks. Ah, merde. Bon, entendu par le locataire, il est où? Hein? Regarde, si je me casse, là, il va venir voir s'il y a quelqu'un. Il y aura personne, il y aura juste un knock en moins. Il y a un petit tableau aussi, hein, je pense que je peux voler, mais il a l'air d'une rare laideur quand même. Je suis désolé de le dire. Hein. Que quelqu'un se fasse la voix de la conscience. La voix du bon goût. Je pouvais la prendre la casquette, je crois pas, non? De toute façon, d'avoir plus cher que ça. J'espère. Putain. SVP. À moins que ce soit une casquette dédicacée. Casse leur évier. Putain, mais tout ça. Il y a une haine contre eux. Mes chaussures là, pourquoi pas. Plus rien qui me surprend de la partie riche. Ils vivent pas comme les autres. Putain, des chiottes à péter aussi. Là, je dois résister. Hein. J'entends que ça marche. Oh merde. Bah ouais, mais ça va quoi. J'ai découvert les habitudes. Hein. Casse-toi, la grognasse. Je fais un coup de pied de biche, moi. Hein. Oh, pff, quoi? Faut que je crochette la porte alors qu'elle est ouverte. Bah là, c'est la fin. Bah oui, bah on peut le dire. Y'a pas de fenêtre dans votre chambre. Mais quel enfer. Vous vivez là? Ah, elle s'est cassée. Freeze. J'ai été attrapé. Effectivement, vous m'avez eu, monsieur l'officier.
Comment vous pouvez prouver que j'étais là avec des intentions mauvaises? Est-ce que ça m'a désappris? Ouais, ça m'a peut-être désappris tout ce que j'ai appris. Non, c'est chiant, c'est un peu. Comment ça marche? Salut les boys. Je suis toujours dans le game. Ça, tu pourras pas me l'enlever. Le chandelier. Joma, ça c'est toujours un plaisir quand même. L'enceinte aussi. Ah merde. Faut que je la mette dans la bagnole. C'est toujours la même putain de musique. La justice française le relâche après l'avoir tasé. Qui dira putain c'est encore lui, mais en même temps d'un autre côté je suis le seul qui leur fait des jobs tu vois. Ils ont arrêté la musique là non? Ils ont eu peur. Peut-être parce que j'ai volé l'enceinte aussi, je sais pas. Je veux la Joma. Ah mais ça rentre dans mon équipement ça? N'importe quoi, quelle folie. On sait pas pourquoi ça, ça prend pas de... Enfin, ça rentre tranquille ou dans l'équipement. Lâche la radio, tu seras gentil. Ouais. Je sais pas si ça met en pause quand je suis dans les menus comme ça. Prends la télé. Prends donc la télé. Gnarly. En l'eau les bois, haine grille. Ah, je peux lancer les trucs. Salut, salut Gnarly. Qu'est-ce qu'il faut que je pète ici Gnarly? Quoi, ça se rappelle plus de ce qu'il faut que je fasse là? Casser la vitre de leur voiture, ah oui. Merci beaucoup Gnarly, ça fait plaisir. Autant que ça te plaise toujours. C'est des clés ça? Non, c'est de la thune. Les liquidités, le baptême. J'entends que ça marche. C'est bon, je suis plus dans leur maison. J'ai le droit de vivre. Bon, c'est vrai là? Merde, elle est où? Elle est là. Bien entendu par un locataire. Quoi, c'est une vieille maison, le plancher il grince un peu. Je sais pas si je pourrais faire rentrer autant que je veux là. J'ai une voiture de merde en fait, c'est ça aussi le problème hein. Faut que j'en achète une autre si possible. Oh, ça rentre là, un petit tableau de merde comme ça. Oh là, parfait là. Bon, il faut que je pète leur vitre. Est-ce que je peux sauvegarder? Charge enregistrement. Ah, c'était ça, charge l'enregistrement. J'avais pas compris ce que ça voulait dire. Non, retour. Oh merde. Shit. Et si je me mets dans la voiture et que je ressors, j'ai l'impression que c'est à peu près ça la sauvegarde, non? On va voir. On verra bien si je fais F5. Peut-être ça sauvegarder, peut-être pas. Ce sera à nous de le découvrir. Et ils ont refermé. Ah non, c'est moi. Bordel. Le meilleur voleur, il jette la télé pour la vendre après. Ça. J'étais entendu, mais ça veut rien dire ça. Tant qu'ils m'ont pas vu. Ok. Je mentirais si. Oh le globe là. Eh ouais, mais ouais, mais bon. Tu vois, j'aime bien le routeur et tout, mais c'est des objets que j'ai jamais trouvés. Ils valent plus cher. C'est un peu de la merde, ça. Ah, mais il y a une petite étoile à côté. Ça veut dire que je peux le ramener et le foutre sur Black Bay, tu vois. Ça, c'est pas dégueu comme idée. J'aime bien votre idée, messieurs. Bon, le globe, est-ce qu'il est sur Black Bay? Aucune idée. Il vaut 3$, le globe. La coupe en or, il y a une étoile à côté, là. Lâche charge, hein. Je peux plus les voir. Je veux plus les voir. C'est grand en fait leur code de maison là. Sur 3 étages en même temps. Alors, mais c'est quelle vitre qu'il faut que je casse? Parce que des vitres, il y en a beaucoup chez eux. Hein. Oh, salut. La thune par terre, j'adore. Alors, le pare-brise, hein. Le pare-brise, il m'a dit, je crois. Une petite Yoma là. La basse, putain il me la faut la basse. Demande réalisée. Et je vais lâcher hein, le routeur, même si on l'adore. Il n'a pas sa place parmi l'élite. Oh putain, 7 chargements ça prend trop de place. Prend trop de place, reprends le routeur et fuis. Pour eux fous, il faut que je passe la frontière. Ça c'est du farming en fait là. Intensif. Que d'efforts.
peux pas voler les voitures. Tu penses que je peux la voler celle-là? Je sais pas. Je pense que si, parce qu'il y avait un onglet voiture à la casse, on va y passer après. Qui regarde le stream depuis l'app de Twitch? Ah. Je sais pas, dénoncez-vous. Salut à Rox. S quand même là. Le routeur de XP, c'est la dernière fois que je ramène un routeur. Mais attends, mais c'est juste ça l'émission? L'émission d'histoire, c'est que casser des trucs, tu sais. Et les voler. Enfin, les voler, ça me surprend pas, mais je sais pas, je m'attendais à ce que tu vois, ils nous donnent des. Qu'ils nous fassent progresser, tu vois. Des trucs un peu nouveaux. Chandelier, objet demandé, manquant, il m'en faut deux. Fuck me. Ok, bon, il faut que je range le chandelier, et le reste, je peux tout vendre. Ça, c'est ça la vie qu'on me fait vivre. Ah, c'est cool l'argot, merci, ça me fait plaisir à lire. Toujours un plaisir de savoir que ça plaît. Il vient chez toi, il casse ton power-wheel et il vole ta box. Surtout une box, c'est genre vraiment le truc impossible à revendre, quoi. Genre, quel intérêt. Ton live sur Nautica Sex Zero m'a donné envie de revoir toutes les vidéos. Et ben, fais-toi plaisir. Ouais, il y a des voitures, mais je suis sûr que je peux les ramener du coup. Hein. Mais non, mais le chandelier, je l'ai pas rangé déjà. Je vendrai pas mon chandelier, petite saloperie, va. Fasciste. Je vais aller vendre à l'autre, mon vrai pote. Le stream fait que sauter en 160p. Oumpf. Oumpf, oumpf, oumpf. Enceinte avant, le baptême, 20 balles. La petite télé, l'ampli Joma, le prix que ça coûte l'ampli Joma, putain. Et le routeur, 40 balles. Bon, il vaut quand même assez cher le routeur, mais... Il me rapporte pas d'XP, malheureusement. Ok. Ok, ok, ok. Greenview. Éventuellement transporter encore plus si tu veux une voiture avec un gros coffre. Mais j'avoue, mais je me dis, il doit falloir un item peut-être, tu vois, pour carjacker. De toute façon, eux, je sais comment... Ouais, mais là, ils vont me casser les couilles que je bloque la route. Parce que je bloque le trottoir, ils vont rager les passants. N'arrive pas à contourner. Trop dur et tout. Alors, les gars... C'est eux qui passent trop de temps sur la télé. Ils ont fait une affaire personnelle de ça. Je déteste les gens qui passent trop de temps sur la télé. Ok, y'a personne. Magnifique, magnifico. On referme. Ah oui, ça on adore. On a rien à foutre. Yes. C'est leur chiotte encore. Il y a un problème avec les chiottes hein, quand même dans ce jeu. La personne qui a fait le jeu n'aime pas beaucoup les chiottos. Et en haut, j'avais pas un truc à faire, si. Casser ou voler leur télé. C'est quelqu'un là? Non. Hein. Le vase vert. Le baiser, j'ai déjà pris. Le routeur, on a déjà dit. Il y a personne à la maison, je pense. Le vase, 11 balles. J'ai pas de quoi craquer le coffre, malheureusement. Cuds. Thune, 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 50 boules comme ça, laissées sur la table du salon. Pourquoi pas. Le vase métallique, ça a toujours été un rêve de gosse. Casse leur vaisselle. Non, je veux le faire. Je pense pas, hein. Si, tu vois, on va regarder parce que je suis confus. On est au combien, là? On est au 102. J'ai rien à faire chez eux aussi. Ah non, je suis au 105, pardon. 105, boulot. Casser leur toilette, casser ou voler leur télé. Alors les toilettes, c'est non négociable. La télé, on peut s'arranger. La casserole, il y a une étoile à côté. Putain, il faut que je la ramène, la casserole. C'est la merde, un peu télécommande. 21$, hein, la télécommande, allez, tout va bien. Enjoy ta télécommande.
Ah, locataire. On va prendre ça. C'est ouvert là, ouais. Quelle erreur de laisser ouvert. Pour casser leur toilette, il faut que tu aies haut ta cause avant, putain. Je vais prendre ce ignominie. Ça me rapporte de l'XP, je pense. Ça vaut 13$, j'ai vu. Calmez-vous. Restez tranquillou. L'ampli Joma, ça va aider thunes quand même. Hein. Oh non, fais un effort. Allez. Casser leurs chiottes. Break the shot. Donc c'est moche ça aussi. En fait c'est ça, en fait c'est moi qui vais dans les maisons des gens et je juge. Ah, je peux me pencher en faisant ça. Ils ont pas entendu. Ils devaient vraiment pas être là, non? Ça va être les locataires d'à côté qui m'ont entendu, hein, parce que putain. Alors là, je peux marcher tranquillou et tout. La calice d'or! Non. Ah, mais ils ont un shot de backup. Brique! La merde. Thune! 15 balles, ok, pas terrible. Pendule, je m'en fous un petit peu. Ok, par contre, il est juste là le locataire en fait. J'avais pas capté moi qui était là. Putain, ça va vite hein, après. Tout s'enchaîne très très vite hein. Malheureusement. Le mec est connecté quoi. Il a une sim dans sa nuque. Ah, tranquille les srabes. Non, c'est pas moi qui cherche. Je peux avoir de marché dans ton quartier sans que ça t'énerve. Ah mais ils ont trouvé ma voiture, c'est ça. Fuck. Et du coup, si je charge l'enregistrement, où est-ce que ça me laisse là? Ok, que dalle, ça me laisse, que dalle, où est-ce que ça me laisse? Ah bah il est là. Putain, c'est con quand même, hein. C'était bien fait tout ça. S'enchaîne dans ta tête depuis l'aube, c'est ça. Comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Bon, là, on sait où il est tout en bas, donc il peut rien faire en fait. Il m'a même pas entendu péter ses chiottes, ce bolos. Enfin, si, il m'a entendu, mais il a rien fait en fait. Ah, moi, ça, il dort comme une tombe. C'est un peu chiant de tout refaire, mais je vais faire en speedrun. Il a entendu, mais ça l'a pas réveillé. Et ça, c'est magnifique. À l'étage, il y a toute la thune. Il y a tout ce qui vaut de la thune. Bon, je peux marcher en vrai, il est tellement loin qu'il m'entend pas. En fait, s'ils le veulent pas, je vais pas le ramasser, tu sais quoi. Je vais prendre que les trucs chers. Cher AF. Ça, ça vaut que 10 balles, sérieux. C'est quoi cette... C'est quoi cette vinasse dégueulasse pour que ça vaille ce prix-là? Moi je m'attendais, tu vois, à ce que ça ait du bon goût ici, quoi. Merde, là il est trigger. Putain, ça me fatigue, ça, je peux pas sauter. Ah si, il y a des... J'avais pas vu qu'il y avait ça. Où? Nice. Allez, il est venu voir au mauvais endroit. Et ouais. Et ouais, Johnny. Finesse chez Aldi. Putain. Ce n'est que le vent. La télé, pardon. C'est pas ta télé, hein, sur la route, t'inquiète pas. La villageoise. Le frigo, ça fout une plainte, putain. Le mec, il vient avec son diable, tu sais, chez toi. Et après, il le jette par-dessus le balcon. Salut, Silor, ça va? Excuse-moi, j'avais pas vu. Il a vu ses enceintes. J'ai fait quelque chose de louche, moi? Moi, j'ai fait quelque chose de louche. Tête de moi. On est bon. La cargaison est en sûreté.
Et là, gros drift. En train de taper un burn. J'adore ça, je vais le faire tout le temps ça. Je vous préviens, il aurait mieux valu que je découvre jamais ça sur ce jeu. Cette feature là, il ne fallait pas que je la découvre. Petite télé, ma foi. Ferme. Il a pris 20 piges, Non, arrêtons tout de suite. Ce crime, il me faut un autre chandelier. N'oubliez pas. Putain, il me faut un pot aussi. C'est un... Le mec, il veut vraiment refaire sa cuisine à partir de trucs volés, quoi. C'est fou, ça, non? Ça ne surprend que moi, finalement. Et si je achète... Compétences, c'est vrai qu'on peut acheter des trucs, attends. Le problème des compétences, c'est que l'autre, dans le mode histoire, il nous dit de faire des trucs, là, des fois. Casse une grosse télé au 108. Ouais, alors le 108, ils sont un peu chauds. C'est ce que je me souviens. Oh. Du pied de biche Nike, j'avoue. Du coup, le 108, tu vois, je vais acheter leur info, là. 350, mais oh, gros fuck dans ta bouche, là, je sais pas. Totoma 11, c'est abonné, merci beaucoup de me fier ton prime, ça fait plaisir. Gracias mucho. C'est apprécié beaucoup. Je suis en train de réfléchir à qui je peux acheter d'autres. Je m'en fous en fait. Eux là, ils sont faciles, hein, les trois l'un côté de l'autre là. On s'en fout complètement de leur life. C'est plus les grandes maisons comme ça qui sont cancer. Genre les Wilson par exemple, je déteste les Wilson. Prends le lancer de briques. Mais c'est vraiment utile, ça. Ah non, c'est ça qu'il faut que je prenne. Pour refou. 25% en plus. Dans le sac à dos. J'ai toujours pas les outils de hacking. Bruce Willis anorexique. Respectez-le quand même. Respectez mon Fantasio 974. Laissez-le vivre. Bon, alors le vin, ils le veulent pas, mais un jour, ils vont le vouloir, non, ce putain de vin. Je vais le vendre, hein, mais bon, c'est triste quand même. Il vaut que dalle, je veux dire. Tant que je le garde, non? Garde-le, tu sais quoi. Garde ton vin Rion Tonip. C'est une belle année. La casserole, on la garde aussi. Et tout le reste, on s'en fout. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'un. J'ai juste l'ampli. L'acheter face aux flics. Le mec jette des briques. Mais oui, il jette des briques. Je sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi on a cette compétence? Ça doit servir à quelque chose d'important, tu vois. Mais bon... Là, comme ça, ça me chauffe pas trop, quoi. Ah oui, j'ai la petite télé aussi. Ah, j'ai tout vendu. Des couilles en or, on appelle ça. Iron... Non, pas Iron. Golden Balls. Alors, attends. Parce que là, du coup, ma mission principale est de casser une grosse télé. Une grosse télé, attendez. Parce que là, ce qu'on ramenait pour l'instant, c'est une petite télé. Donc ça, ça m'intrigue, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir le 108... À mon avis, je peux pas y rentrer au 108, mais casser à distance les briques. Ah mais oui, mais putain, il est intelligent. GG ça. J'aurais pas pensé. Mais oui, ça doit être ça en plus, non? Parce que le 108, on a pas trop de moyens d'y accéder sinon. Hein. Vu comme c'est une forteresse le machin. Ah non, c'est pas du tout ce que je pensais le 108 en fait. Hein. Avance. C'est bon. Parce que si on est sur le trottoir, ça va rager que c'est louche, alors que là ça va du coup. Ouais, regarde, là, je peux lancer une brique. Ah, c'est fou, cette vie. Ah non, mais c'est mieux, là, je vais rentrer comme un vrai voleur. Tu es accroupi d'un endroit bizarre. Il n'y a pas d'endroit pas bizarre, de toute façon, pour être accroupi dans la rue. Pour faire diversion aussi, peut-être, mais bon, enfin, je sais pas. Autant casser des chiottes pour faire diversion. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, il y a peut-être des gens, on ne sait pas, en fait. On n'a pas les infos. J'ai payé 350$ les infos et je les ai pas. Le UFON, il me le faut. 10$ soi-disant le iPhone. Oui. On vit pas dans le même monde, je pense. Les briques en akimbo. Eh ben, j'espère que vous êtes pas là en train de regarder la télé. Oh, God damn. Ah ouais, mais je suis cuitasse les bananes. Mais il est déjà là le flic. Il est en train de monter. Si c'est la dernière chose que je fais, monsieur l'officier, je regrette rien. Démarre, vieux taco. Ah bah je suis cuit. À moins que je parte
par la route à travers les montagnes. Ah, il me pète ma voiture. D'accord, ok. Putain, mais tu peux pas vraiment fuir et tout, quoi. Tu peux pas te faire un kiff. Y a pas de course poursuite, tu te défonces tout de suite. Peut-être que peut y en avoir une si t'es déjà lancé, tu vois. Mais bon, je sais pas, quand même ça me paraît chaud, quoi. Bah, j'ai essayé de la fermer après, mais comme ils m'avaient vu, bah ils avaient bloqué la porte. Genre je devais la recrocheter alors qu'elle était ouverte. J'ai essayé de se mettre en position déjà de départ, hein. Bon, après là je sais que ça marche. J'ai rien entendu du tout le locataire. Prends ton iPhone encore une fois, ça va le calmer celui-là. Prends ton routeur aussi, tu me laisses pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Est-ce que je peux la voler la grande télé? Je ne pense pas. Hein. Après peut-être ouais j'aurais un grand bolide de fou. Il a entendu là? Putain oui je peux. Mais bordel mais ils sont... Ils ont un 12e sens! Je réessaye hein mais... Vous avez le droit d'avoir peur. J'ai été rapide quand même. Rapide comme la foudre! J'étais crasse, c'était pas content. Et ça passe là. Aïe. 11$, putain, c'est le prix d'un iPhone quoi. C'est le prix d'un Ufone. Voilà, ça c'est bon ça! N'importe quoi. Yes. F. En fou, j'ai fait 50 d'XP. C'est vrai. You don't want someone to see their own necklace at the pawn shop. You gotta break it down first. Apprends l'estimation niveau 2. Voilà, j'aurais dû garder mon point de compétence. Il est où? Estimation niveau 2. De toute façon, il faut être niveau 9. Donc ça devrait le faire. C'est bon, il a fait longtemps. Back. Pas le. Il est abîmé. Fuck. Le routeur. Je vais quand même essayer de le ramener, mais s'il est abîmé, ça marchera peut-être pas. Comment ça se fait qu'il est abîmé? Parce que je l'avais dans ma poche. Quand j'ai eu un accident en voiture, là, j'ai rentré dans un arbre à moitié. Je sais pas pourquoi il sera abîmé sinon. J'ai sauté de la fenêtre peut-être. S'ils le veulent quand même. Ils le veulent. Ah oui, ils le veulent abîmé. Tiens, d'ailleurs, c'est une spécificité. Si je pouvais avoir abîmé, s'il vous plaît. Reconditionner mais mal s'il vous plaît. Voilà qui devrait faire un peu de thunesse là finalement. J'ai 2200 boules. Outil pour la bijouterie, il va me demander après. Outil pour craquer un coffre, alors ça mon gars. Je vis pour ça. PDA de hacker. Jumelle. Micro caméra, d'accord. Bon, il faut que je sois au niveau supérieur là en gros. J'y suis presque. Je dois bien avoir des maisons à péter, non, des trucs à faire. Les Miller, là, on les déteste les Miller. Casser leur évier. Ah ouais, mais eux, ils ont la maison, non? Ah non. Casser leur évier et casser leur vaisselle. 200$ chaque truc, hein. Reconditionner, mais après tomber du troisième, s'il vous plaît. C'est ça. Alors, si possible, un truc tombé dans l'eau, mis dans du riz, et puis voilà, quoi, vous me le revendez. C'est plus un voleur, mais un casseur, c'est ça. Ouais, c'est ça, Kunigagui, c'est fou. En plus, là, on dirait qu'il fait une vieille imitation, tu sais, d'une voix cliché de Sicilien. C'est eux qu'il faut que je casse tout, là? Ah, les toilettes et les... Ah oui, non, mais les Wilson, ils sont imprenables. C'est une forteresse, leur truc. Alors qu'en revanche, les Davis... Non, les Miller, là, les Miller. C'était juste pour vérifier que c'était eux. Mais j'avais déjà reconnu. Je vais me garer là, parce qu'il va chialer tout son sou. Ah, c'est pas pratique hein, pour partir à la position dans laquelle je me suis mise hein, quand même. Déjà parce qu'il y a des plantes sur mon volant, mais... Aussi parce que je suis pas vraiment dans un sens. Je me mets devant le garage, ouais. Je vais supposer que je peux pas encore voler de voiture. Oh putain, je suis devant le trottoir, bordel. Je suis désolé, mais je prends pas tout en compte. J'y pense pas, tu vois, je pense à un truc à la fois. Moi je marche comme ça. Il y a trop de paramètres. Là c'est bon, caché un petit peu dans les buissons en plus. Je te vois, pourquoi je peux pas te marquer alors que je te vois là? C'est quand même tristoun ça. Totalement fail, mais il a pas entendu. J'entends quelqu'un qui marche.
Il est plus là. On va refermer parce que je sais pas s'il va passer, non. Ah yo. Je suis sûr qu'il veut pas me voir à travers cette vitre. Putain, merde. God damn. C'est pas du tout comme ça que ça marche le crochetage. Et pourtant, regardez, le mettre comme ça dans tous les jeux. Le pneu là, non? Ça vaut cher un pneu en vrai. Et je pense que ça se revend très facilement, franchement. Il va venir voir ou il s'en fout? Il s'en fout, je pense. J'ai l'impression qu'ils viennent voir quand t'abuses, genre. Je peux toujours me cacher là, au pire. Il y a deux, il y en a plusieurs. Mais chier, il est juste à côté du truc que j'ai envie de péter. Là, je l'ai vu bouger un petit peu. Je suis plus là, tranquille. Ah non, les flics, tout de suite, quoi. Tout de suite. Y'a pas de discussion. Putain, les coûts en réparation me ruinent. On va revenir tout de suite. Oh là là, ça va, 12$ là. Une porte d'hôtel, c'est simple si vous voulez savoir. On va éviter les tirs. Ouais, j'avoue que Twitch. En vrai, je meurs d'envie de savoir, mais on n'a pas le droit, je pense. Sur Twitch. Mais je regardais. Quand j'étais au taf, Et à moi, je regardais des vidéos d'un gars là qui craquait tous les cadenas qu'il trouvait, là, toujours plus gros, toujours plus complexe. À chaque fois, il les craquait, il faisait oh, il était pas mal celui-là. Alors qu'il l'avait défoncé en 2 minutes, t'sais. La police non plus marche pas comme ça. Si, si, si. Bon, ça a quand même pas marché. Là, ils vont quand même être là. C'est en train de camper, là. Voilà, direct. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Oh là là, on se dirige là vers le plus rapide crochetage de l'histoire du jeu vidéo. Le téléphone, là, tiens. Je le prends, ils appellent qui? Ça leur apprendra à avoir des lignes fixes, les boomers, là. Non, ça va. Il n'y a pas quelqu'un là, en bas, normalement. On va voir. Ouah, ça, c'est... Je vous laisse, hein. Ça, j'arriverai pas à le revendre, je pense. L'alarme, il me la faut. Le UFON abîmé. Ouais, je le prends parce que normalement, ça vaut de la thune, ça. Petite télé, non merci. Ouh là, regarde ça. Est-ce que je l'ai déjà vendu, ça? Ça vaut rien, non, la coupe en or, ouais, je pense. Le placard, il y a juste... Il y a une seule étagère et tu peux juste mettre deux chaussures et c'est tout, quoi. Ça sert à rien du tout, ce machin. Je sais qu'ils sont là, à mon avis, ils sont à l'étage en fait. Ça qui est chiant. Ils campent à côté des trucs que je dois péter là. Je vais leur faire peur, t'sais. Tout de suite. Elle est sûre de m'avoir vu là? Oui. Chier. J'ai pas réussi. En fait, il faudrait que je garde ma voiture super loin, je suis en train de me dire pour faire ça. Parce que comme ça, avec la voiture garée, bah, je peux me barrer à pied, tu vois, et me cacher. Je suis pas obligé de quitter la zone à chaque fois, ça me saoule. Ou d'avoir peur qu'il trouve ma voiture. Ok, là c'était de la conduite un petit peu extrême. C'était que le début, figurez-vous. Je suis en train de perdre tout mon argent juste en... en voiture. En réparation de voiture. Mais putain, mais j'arrive pas à faire ce machin. Il faudrait que j'attende, il faut que je dorme dans ma voiture, dans un parking, mais bon. Là, il y a les NDEC. Du coup, il faut que je ressorte et que je revienne. Mais j'essaie de les marquer à chaque fois. Mais j'arrive pas. Voilà. Bon, on va revenir, on va dormir jusqu'à genre minuit. Minuit, 1h du mat, on va voir s'ils sont là. Niveau supérieur, c'est fou, je fais quand même de l'XP quoi.
Y a pas de justice, hein. Y a vraiment pas de justice. Donc je peux acheter ce qu'il me faut pour progresser dans l'histoire, dans le lore. Greenview 107 don't like our protection plan. I hope nothing happens to the jewelry in their bedroom. 2600, j'ai même pas assez. Parce que j'ai dû perdre 400$ de réparation de voiture récemment. Ah, y'a les flics du coup là. C'est drôle ça. C'est terrible mais c'est drôle. Putain, ils restent les enfoirés. Pourquoi ils font ça? Welcome back. Welcome. Ah oui, merde, le trophée l'arme, il fallait que j'aille le rendre. Si ça peut faire la thune, à mon avis, il faudra pas que ça. Hein. Il faudra pas que le trophée l'arme, mais bon. Bon, les chargements, point positif, ils sont extrêmement courts. Hein. C'est un truc de fou. Pas grand chose à charger, je vous l'accorde. Mais ça marche bien. Le trophée l'arme, 18$, hein, pas moins, pas plus non plus. En plus, c'est un UMAC vu que tu vends des UFONs. Ah oui, oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu fais bien de le dire. On va prendre ce chocolat comme pièce à collection. Salut Shimaru. Tranquille ou quoi? Il y a un mur renversé, ça me stresse. Je crois que c'est une vie pourrie que vous avez. C'est le 107, il faut que je vole ses bougies. Je crois que le 107 il est haut, on va aller voir. De toute façon il y a un parking à côté et j'ai dit que je faisais les choses bien. Comme si on était dans un vrai simulateur. Bon gros slip jusqu'à minuit. Salut Mooncake. Tranquille ou quoi? Alors. Il faut tout que je pète aussi chez eux. Mais pourquoi? Je peux pas tout casser tout le temps chez tout le monde. Bon, je peux péter le truc qui est à l'extérieur. Y a pas un passage à travers les haies, genre caché, tu sais. En mode, ils ont jamais réparé la clôture parce qu'ils se sont dit personne verra à travers la haie. Ils ont pas un chien? Bon, la clôture est facile à escalader, ça c'est clair. Un enfant de 8 ans, il passe par-dessus, franchement. Oh, le faux pony de basket, on les déteste, ceux-là. Je me demandais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, c'est pas repéter leur... le truc. Le plus cher. Ah non, je croyais qu'on avait pété le barbecue. Les verres à vin. Ah, ça c'est du vin plus cher déjà. Il vaut 10 balles de plus que l'autre. La radio. Bon, j'étais à niveau 3. Pour l'instant, on peut rentrer. Salut Pierre Beurre. Enfin, re, du coup. J'ai bien applaudi. Bah ouais, mais moi je peux pas applaudir. Enfin, je peux, hein, mais je vous l'ai déjà dit, j'applaudis sur une... Je donne sur une cour intérieure, donc un mur en face de moi. Donc, bon. Si, en fait, je peux applaudir, j'avoue, je peux. Juste, quel est l'intérêt, quoi. Bon, là, s'il y a des gens, ils sont en train de dormir, je suis en train de me dire, quand même. Non? Dans l'imprimante, ça, je prends. L'imprimante, j'ai donné LOL. Casser leur toilette. Et après, bijoux dans la chambre. Mais la chambre, à mon avis, ça va être chaud. Ils sont dedans. Ils sont juste à côté. Hein. Ils ont un knock. Pourquoi ils ont un canapé là, genre? Dans la vraie vie, ça n'existe pas quand même. Les canapés, les chaises comme ça, n'importe où, tu sais. Juste pour en avoir dans ta maison, quoi. Pour meubler. Tranquille, Maryse. Un UFON abîmé. Une souris, mais pas d'écran et pas de PC avec. Mais elle est enterrée là. Mais pousse-toi, ville. Je vais pas appeler les flics là. Adam, mais par contre, est-ce que je peux ressortir par la même. Oui. Ah bah regarde. Voilà, voilà. Et après, je reviens pour péter je sais pas quoi à leur chiotte. On
Putain, je les ai pas marqués, je vous avoue que j'ai pas pensé. Et s'ils trouvent ma voiture, ils vont chialer ou pas? J'espère pas, putain. C'est trop chiant si c'est ça, parce que... Parce que c'est chiant. Je pense pas qu'ils me la prennent si elle est garée sur un parking, tu vois. C'est juste que comme elle était garée n'importe où, ma voiture, je pense que ça les trigger tout de suite, mais je sais pas. Sur un parking, y a pas de raison, tu vois. Elle chill. Elle dénote un petit peu avec le niveau de vie du quartier, mais bon. Tu rigoles, mais ma sœur a prévu de mettre un canapé dans le petit coin de ce style en haut des escaliers de chez elle. Mais pourquoi? Ça coûte tellement cher en plus un canapé. Tu sais que tu vas pas t'en servir. Ils dorment habillés, chaussures aux pieds et tout. Bah laisse-les vivre. T'sais. Les Taylor, c'est quoi du coup qui me manque, les Taylor? Ah d'accord. Les Wilson, mais j'ai fait voler les bijoux. Et c'était quoi sinon? Casser leur toilette, voilà. Bah ça. J'hésiterai pas, tu sais quoi. Je peux pas sauter là. Grappliner ma vie justement. Pour faire un petit coin bibliothèque pour lire. Non mais oui, mais les gens font ce qu'ils veulent, hein, voilà. Donnez-moi l'argent juste à la place de faire ça. Je pense que ce sera mieux. C'est quoi ces chiottes de fou là? Tu es malade? Pourquoi ils ont fait ça? Ils sont fous furieux. J'adore vraiment ce jeu. Moi c'est vraiment l'expérience de juger juste la vie des gens. Ça les a pas réveillés. Je sais pas comment, mais ça les a pas réveillés. Ouais, j'aimerais bien les marquer, donc je vais retourner dans la chambre. Je peux pas les marquer là? J'arrive pas, c'est à travers le mur. Il faut que je les vois de visu. Voilà, donc là, ils sont là, mais ils dorment. C'est bon, je vais prendre le Nokia là. Quand tu es riche et que tu as des pièces en trop, il faut bien les occuper. C'est vrai, je saurais pas te dire. Oh, il y a Yoma. Prends trop de place. 7 emplacements, c'est une folie. C'est pas ce genre de moyen. Je peux me cacher. Une télé là, j'apprends. Et il s'en sort bien, le voyou. Le gnome aussi, 100%. Il m'a entendu. Salaud. Oh, 2 étoiles, hein. Comment je vais faire? Hop. Ça devient de plus en plus compliqué, tu fais choper à chaque fois, oui. Ceci, ça m'arrivait tout le temps, dans tous les cas. Qu'est-ce que c'est que ça, je vois bouger là? C'est une personne? C'est des buissons juste, je sais pas. La poubelle magique, bah clairement c'est... Et il vient là, non? Il est juste là? Je vois un point bleu sur la map, il est juste à côté là. Il est peut-être en face là, derrière les barricades. En vrai, si tu te caches dans les poubelles, je suis sûr que les flics regardent même pas, j'avoue. Dans les bottes de foin aussi, hein. Je pense qu'ils regardent pas, mais... Et bon, ils ont fini leur petit cinéma. Il aura le seum en plus. Là. Je suis bien réveillé au milieu de la nuit pour ça. C'est bon. Bon, par contre, le placard dans la chambre des habitants, je pense qu'ils regardent. Je pense qu'ils te voient. Cassez-vous, mais cassez-vous! On veut pas de vous ici, fasciste. Rayakour, bonsoir Rayakour. Tranquille ou quoi? Quelqu'un m'a demandé si j'allais stream autre chose après. Je ne pense pas. Parce qu'après en fait il y a le stream de Taiki et voilà, je sais pas. Je voulais pas empiéter dessus, je voulais voir ce qu'il disait en fait sur le stream. Il va faire un espèce de classement des jeux. Ah merde, ils ont rangé la télé. Ou alors je l'ai lancé par-dessus quand même. Ils me font chier, je veux le gnome. Putain, je prends le gnome. Ils ont rangé la télé, quoi. Chier. Ou alors je l'avais déjà jeté comme un génie. Ah oui, elle est là. Il y a
Ils l'ont pas rangé du coup. Ça c'est surprenant par contre là. Ah non mais ça doit pas être ouf de rentrer dans une poubelle. Mais bon, si c'est ça ou la zonzon. Je te vois, attends. Vous préférez vous faire choper, vous mettre dans une poubelle? Disons que s'il te trouve par contre, alors là, ta vie elle est finie quoi. T'es le mec qui s'est fait arrêter, qui a été trouvé dans une poubelle, c'est la honte. C'est la honte. Mais s'il te trouve pas. Voilà, on a assez profité. Moi aussi 100% c'est la poubelle. C'est ? Oui bon j'avoue. J'ai bien déclenché 2-3 fois l'arrivée des flics mais bon. Laissez-moi vivre. Always remember to break down the jewelry. In the shop. Oui t'inquiète pas, je l'ai acheté bien en avant sur toi. Ah oui la gueule de mon perso c'est fou. Je crois pas en plus qu'on pouvait le custom, hein. Il a juste cette tête de base. 180 balles le micro-ondes et ben... Putain, il devait le vouloir son micro-ondes. J'ai volé 2 fois ce micro-ondes. Hein. Enfin, j'ai volé 2 personnes avec ce micro-ondes. Celui chez qui je l'ai pris et celui à qui je l'ai vendu. À quoi sert sa maison rip-off? Je peux m'acheter une maison après, je pense. Hein, ouais. Pour l'instant, je suis pas encore. Outil pour la bijouterie. Alors du coup, je l'ai. Démonte les bijoux chez toi. Démonte-les. Je vais démonter. Mais je les ai, non? C'est quoi, moi, que j'ai? Je l'avais pas acheté? Ah non, j'avais pas acheté parce que j'avais pas 2800, pardon. Ou 2400, je ne sais plus. Tout va bien, mesdames et messieurs. Restez calmes. 2006. Ça coûte cher, ces conneries. Intérêt que ça se vende cher, les bijoux. Bijoute-moi ça. Sélectionne. Oh, dame, il faut que je fasse quoi, là? Cette putain de musique. Quête par cœur déjà. Ah non, elle vient de se renouveler à l'instant, tu vois. Alors Vinny? A professional knows how to handle a real safe. Are your lockpicking skills up to the job? Calme-toi, en fait, tu viens d'apprendre un truc là. Je viens de faire un truc, tu me dis le truc d'après. C'est bon, laisse-moi le temps de souffler, de vivre. Les vacances scolaires, ça existe. Il faut 2 points de compétence. Shit. J'en ai qu'un, les boys. Et les grills. Ouais, cette gueule. Il fait vraiment peur, on dirait Johnny Sins un peu, d'ailleurs, maintenant que vous en parlez. Bienvenue dans notre rêve. C'est mon vrai métier. Mais putain, Je suis un génie de la fugue alors. Enfin, j'échappe facilement à la police. Vu mon niveau de cambrioleur. Re de poule, merci pour le follow, content que ça te plaise. J'ai moult choses. Est-ce que je n'ai pas des choses? Je suis déjà allé voir dans le. Ouais, je suis déjà allé voir de toute façon. Hop! Je vais juste mettre. Non, fais pas ça. Dis pas comme ça. Sois pas ce mec-là. Bon, tant pis, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous des trucs qui ont des étoiles ou je sais pas quoi. Je me casse. Et les bijoux, je les vends où? Dans le prêteur sur gage de merde là? Il mérite pas ça lui. Il vend des grippins et des Nokio là. Welcome back. 25$ la souris. 800 balles. Bon, mais je lui vends à lui, c'est bon. Le pinard et le vase. Est-ce qu'il y a des trucs que moi je lui ai ramené ou pas? Non, je sais pas. Ils étaient déjà tous là ces machins, c'est pas mis au fur et à mesure. Mon père qui mange à 3h du matin. Qui trouve un voleur dans le placard à saucisson. Le placard à saucisson, je vais habiter chez toi. Mais je te jure, le placard à saucisson. Qui sait qu'il y a un placard juste dédié aux sauces quoi. Je veux cette vie aussi. Hein. On parlait du canapé perdu dans la maison, mais le placard à sauce, ça se place bien aussi.
J'en veux un. Bonaparox. Placard à sauce. Bon, il faut que je fasse des thunes. Il faut que je casse des trucs. Qui est-ce que je pète? Les Wilson, je sens que j'ai quelque chose de pas réglé avec eux. Putain, ils sont pas là. Vite. Attends, mais les 106, c'est pas les Wilson, non? Je me saoule cette musique. C'est les Miller, mais les Miller, je connais pas leur mode de vie sédentaire, là. Y'a pas des lianes? Ah, si je mettais une caméra là, en gros, ça m'aiderait mes phares. Je vais monter là, comme ça. Ah merde, ils ont pas de fenêtre. Mais c'est quoi ces baraques? Ils ont pas de vie, ils ont pas de fenêtre. Casse leur vaisselle. Oh. Laisse-moi vivre. Hop là. Magnifique, là. Gâche pas tout. Non, pourquoi? On aurait pu faire quelque chose de très grand. Placard à pain, frigo à bière. Il a tout le mec. Placard à beaufry. Ah merde, c'est vrai que j'ai... Ah excuse-moi, je suis con, j'ai pas pensé à prendre mon coupe-verre. Moi j'étais parti pour un cambriolage qui va m'apporter genre 100 balles, du coup bon. J'avoue que le coupe-verre, tu vois, j'y ai pas vraiment pensé quoi. Excuse. Pourquoi il n'y en a aucun qui a une console de jeu, n'empêche, là? Ils sont au-dessus de ça? Ils détestent les gens qui s'amusent? Ouais, on la connaît, leur maison de Satan. Non, je reprends pas leur ligne fixe. Je vais laisser ça. Merde. Arrête, laisse-moi vivre. Merci. Où sont-ils? Dans des... Au moins, je sais qu'elle est là. Alors, j'ai été entendu, mais elle m'a pas reporté. Si. I don't believe. Bon, du coup, ils vont trouver ma voiture, c'est ça, et je vais me faire foutre. Putain, ça fait chier. C'est toujours les mêmes qui me font tomber, quoi. Ils vont à dollar, les flics, là. Mais ils vont vraiment à dollar. C'est fou. Je m'en suis sorti. Quelle folie. Je reviens. Tête de moi, je reviens. On va dormir. J'adore ça. J'adore. Je peux vous mentir, j'adore faire ça. F. Pour payer ses respects. Je vais appuyer sur T parce que outil pour la bijouterie marqué en boucle en haut, ça me saoule. Merci. Là c'est rouge maintenant, ça veut dire quoi? Que vraiment ils sont chauds les flics là, ça veut dire qu'ils arrivent encore plus vite qu'avant ça, et à plus de voitures. Moi je game sur un Mac tout pété dual core sans GPU. Tu game? Tu fais quoi? Tu game Minecraft quoi. Pas grand chose d'autre. Alors, on va check les boulots, c'est fait. Powell c'est fait. Là, ah mais 108. 108 c'est la maison difficile là. On va la faire. La 108. Il n'y a rien à foutre, je voulais pas descendre. Eh oui, des mineurs exclus Windows. Hein. Tout va bien. Alors là, c'est le mec insupportable. Représenté comme ça dans toute sa splendeur. J'adore. C'est mon fils désormais. Encore lui? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens là? Rentrez chez vous quoi. Ok, c'est ouvert. Bon bah là c'est de l'inconscience pure. Putain, ils m'ont entendu là déjà? Ah merde, putain, y'a un passant. Faut que j'attende qu'il passe du coup. Ah, y'a un flic qui se balade en bleu là. Les hommes en bleu. Et je parle pas des gars de...
Comment ça s'appelle déjà? Putain, une grande surface de bricolage là. Les journaux. Est-ce que je peux pas tomber chez un psychopathe un jour, histoire d'eux? Pourquoi vous laissez tout ouvert comme ça? D'accord, parce qu'il y a un piège, on peut pas monter ici. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, s'ils dorment, c'est très bien. Il y en a deux ou trois dans la maison. Décoration, tableau. Des thunes, s'il vous plaît. Ça, je le prends. Et le tableau, franchement, je vais pas me gêner non plus, hein, je pense. Hein. Bon, ne soyons pas greedy. Je me souviens en plus de cette maison de chétane. Ah, c'est ça en plus le tableau. Bah, je peux le prendre, lui, non? Dans ma poche, directement. Ah oui, pas crête. Quelle laideur, par contre. Quelle laideur. Il m'est infligé, bonjour. Il a pas vu la lampe torche, donc tout va bien. Et là, c'est le crime parfait. Le crime parfait. Entendu de quoi? Il n'y a plus rien à faire là, c'est trop tard mon petit. T'as laissé la porte d'entrée ouverte, n'importe quoi ça. Ça c'est dans un quartier où il y a autant de vols qui sont rapportés à la police. Genre, n'importe quoi. Les mecs tous les jours, il y a 5 fois la police qui est appelée pour venir arrêter quelqu'un qui est en train de faire un cambriolage, mais eux ils laissent tout ouvert et ils s'en branlent quoi. La nuit en plus. À plus passer, à la prochaine. J'espère que ça t'a plu. Casser la vitre du deuxième étage, les Wilson. Putain, les Wilson. Les Wilson, ils sont où? Ils sont juste là, les Wilson. La vitre du deuxième étage. C'est laquelle? Attends. Exprime-toi, quoi. Leur vitre. Genre, vraiment, il y a une vitre particulièrement, c'est la leur, quoi. Il y a des couples, c'est genre, ah, c'est notre musique, c'est notre vitre, quoi. Ouais, je sais pas, moi. Alors vraiment, là, je... Alors le problème, c'est quand je vais faire ça, je vais me faire repérer, vous le savez. Hein. Vous-même, vous le savez. Et donc, il va y avoir les flics et ça va faire baisser mon score de mission, mais bon. C'est pas ça aussi, vivre. Vivre pour les autres. Vivre pour le divertissement de millions de personnes sur Twitch. Niveau 3, j'adore. Merci. Les escaliers de l'immeuble pour faire du sport. Alors il faut que je casse leur vitre. Donc si vous voyez leur vitre. Je peux prendre une imprimante aussi en vrai. Sinon la télé c'est toujours un bon deal en vrai. Hein. J'ai la flemme. Alors. Leur vitre. Putain mais je vais me faire niquer comme ça. Là. C'est laquelle leur vitre vous pensez? Ok. Bon, à mon avis, c'était n'importe quelle vitre, parce que là, je peux pas être un génie à ce point-là. Ah, la guitare, peut-être que là, ça peut être l'occasion. Je sais pas si j'aurai assez d'emplacement, je ne pense pas. La Yoma, quand même. On va pas laisser la Yoma derrière, si. La coupe en or, on peut s'en passer, là, je pense. Hein. 33 balles, là, non, on peut pas. Max 20, total. Ça passe, là. Putain, il me manque 0,9, c'est bon. On peut pas négocier un peu, là? La pâquerette, putain, c'est de la merde, ça. Ah, le téléphone Nook. Ouais, non, j'avoue, je vais me faire niquer dans l'affaire. Ça vaut beaucoup moins, la Yama. Vous avez la même... Oh, regarde-moi ça! Toutes ces donations, là. Je prends l'imprimante, c'est quoi, cette fois? Cette fois, je prends l'imprimante. Putain, par contre, je vais mettre 100 ans à la ramener. Terrifiant. Elle va tomber du bon côté. Ok, bah oui. Ça devrait aller. Il n'y a rien entendu, le locataire. Rendors-toi, mon brave. Très
$300 posés comme ça. Oui, à l'entrée, hein. Genre vraiment, servez-vous, s'il vous plaît. Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas. Prenez. Les invités ont le droit. Ça se trouve, c'est les invités qui payent quand ils repartent. Ce qui soulève des questions quant à leur activité. Mais bon, laissons-les. Laissons cette ville idyllique en paix. Oui, il est encore en bon état. Putain, si vous savez d'où ça vient, ça. Je vous paye votre sub pendant 6 ans. Non, c'est pas vrai. Pas les moyens, bordel. Pas vous payer votre sub non plus. On est où, là? Voilà un job bien fait. J'espère que ça va me faire de l'XP. Moult XP. Moult thunes. Moult crochetage niveau 4. Et on fait des coffres. C'est quand même pas le meilleur simulateur, je trouve, celui-là. C'est pas le plus rythmé. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a entendu le temps qu'il fallait entendre. Le temps de faire notre prière. S. Voilà. Putain, j'ai pas fait un niveau. En fait, j'ai gagné beaucoup quand même. J'ai tout de même gagné beaucoup. Ça, c'est non. Eh bien. Quelle défaite. Il me faut un pot, du coup. Quelle défaite, quelle défaite. Rien à vendre, rien à vendre. Je vais pouvoir tout claquer au prêteur sur gage, là. On va pas aller au junkyard, hein, pour ça. Welcome back. Welcome back. 400 balles. Le knock, la coupe en or, le vase blanc. Oui, il faut que je le vende. Je crois. Je crois, hein. Putain, on commence à avoir fait tous les trucs annexes. Bordel. On est chaud quand même. L'air de rien, on enchaîne les trucs 10 balles chacun. Qu'est-ce que c'était pas worse, putain. Vraiment pas worse du tout. Leur chiotte est pétée, la fenêtre est pétée. Les Miller. Mais eux, c'est Nemesis. Les Jones, ils sont à côté. Ok, écoute, boulot, on n'a pas de 36 000 à faire, hein. On va revoir s'il y avait des missions ou des trucs à faire. Nous avons la preuve. Bah tiens, je suis sûr que vous avez coupé exactement quand je disais le truc, sans me laisser la suite. Bah tant pis, de toute façon vous trouverez pas ce que c'est la musique donc. Alors. Ouais, c'est tout accepté. J'ai envie qu'on change de quartier. Ouais, c'est eux, les Wilson, ils sont hardcore. C'est les pires, je pense, c'est le boss du niveau, les Wilson. Et je voulais acheter... craquer un coffre. Ah, mais je peux pas tant que je suis pas niveau 4 de crochetage. Aïe, 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 aïe. Bon, on y est presque, on y est presque. C'est pas d'un jeu, non. C'est pas une musique religieuse, bah je sais pas d'où s'est inspiré le compositeur, mais non. Je peux pas trouver parce que vous n'y penserez même pas en fait. Non, c'est n'importe quoi, c'est random. Ah bah là je peux aller voir. S'ils dorment. Il y a un parking juste à côté. Je vais garer ma petite yature. La Pinto mobile. L'air de rien, ce petit créneau était un petit peu... Il est pas mal, il est marseillais, on va dire. Garé à la marseillaise. Je sais même pas d'où ça vient. Si, si, je sais d'où ça vient, moi. Malheureusement.
Il y a limite des balles ce machin. Ah, le jour se lève. Bah du coup ils vont être là. Oh les salauds. Voilà. Bon, on va aller dormir. Mais il n'y a pas beaucoup de temps là. Regarde où c'est bleu, c'est jamais bleu. C'est fou cette vie qu'on mène là. Je sais pas, vers 17h, j'ai peut-être pas testé, non, 16h. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cambriolage. Ah oh, c'était crocheté, il a vu que c'était crocheté lui. Dem. 6$. C'est pas Free Free Friends. Ce n'est pas ça. Quel enfer. Je peux avoir une voiture, une nouvelle? STP. Howdy. Il a rien pour moi. Oh. Mais ça, il faut que je garde. Il me le reprend à des prix, mais indécents ces trucs-là. N'importe quoi. Si je connais Happy Few Friends, mais c'est pas ça. Aïe. 11$. Il coûte de plus en plus cher ce panneau là, finalement. Hein? Hein? Je voulais dormir jusqu'à quand? Parce qu'on a un peu. Ah bah, c'était vers 7h là en fait que je voulais. Son chelai est fait. Ah, il y a Tim. Ça veut dire que le cambriolage va être difficile. C'est un oiseau de mauvais augure, Tim. Ils passent leur life ici. Les nerds, cassez-vous les nerds! Je l'ai fait? Non, j'ai pas fait. Hein. Ils sont en confinement, juge pas. T'es sûr, j'ai pensé aussi, mais bon, je me suis dit cette blague est usée jusqu'à la moelle. Ils sont encore là, il faut que je sois témoin qu'ils soient là. Comme ça, je connais leur rituel. Putain, ils vont me voir crocheter les autres, ils vont chialer. Allez! Merci. Il fallait hein, qu'ils aient la serrure la plus chiante à crocheter quand même, ces salauds fascistes. J'ai eu exactement ce que je voulais. Vous pouvez m'arrêter, mais vous pouvez pas arrêter la justice. Qui va leur tomber dessus, la justice cosmique. Putain, je suis juste en dehors du rouge, c'est magnifique. Voilà. Je perds encore trop de thunes comme ça, mais bon. Il faut que je les nique. Eux, c'est vraiment mon némésis. Je peux pas les laisser vivre. Tant qu'ils existent dans ce quartier, je ne peux pas exister en simultané. Ça va. Tout est affaire d'argent. Salut Léo. Ils sont encore là? Il est quelle heure là? Mais ils sont là toute la journée, regarde, il n'y a pas d'emplacement, ils sont pas là. Il y a genre 2 secondes. Où il y en a un qui se barre et c'est tout quoi. Il va bien avoir un autre moment, non? Sort du jeu. Là ils sont couchés j'imagine. Mais on va encore avoir 16 passants qui vont comme par hasard se balader dans le quartier. Putain oui, il y en a un qui arrive. C'est terrifiant, hein. Cassez-vous genre. Faites votre propre vie quoi. Je sais pas, c'est par ailleurs du coup. J'ai rien fait. Putain, celui-là, j'aimerais bien pouvoir l'automatiser hein, de crochetage. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours 2 crochets. Il faut y aller, non, pour le péter le crochet quand même. Ah bah voilà. On y allait. On va y retourner. There and back again. Voyage d'un hobbit. J'ai passé 1000 ans à crocheter. Ils ont déjà eu le temps de faire une sieste de 8 heures.
Une sieste, oui, de 8 heures. Petite sieste. La siestoune, quoi. Allez, I believe in Jesus. I'm in, putain. J'en ai marre. Laissez-moi vivre sans crocheter un truc. Pour quelques secondes. Quelques divines secondes. Alors, remarque, ça va vite. Là, ils m'ont régalé. Allez, dites-moi que vous êtes couché. Ça va être rapide et indolore ce que j'ai à faire. Ça ne vous concerne même pas, oserais-je dire. Le problème, c'est que pour sortir, on va ouvrir une fenêtre quand même, parce que... Mais oui, le moment attendu par des milliers, des milliards de Français. Les mille heures vont payer pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Comme s'il n'était pas assez, et ben je vole leur vase vert préféré. Et je me permets même de prendre le pot, parce qu'il me le faut. Et le micro-ondes, ça vaut une fortune. Et voilà. Et le vase jaune. Et tu sais quoi? Le petit bonus là. Tiens, il est gonflé. Ah, là ils sont... Ils sont réveillés. Ciao les mineurs. On se revoit en enfer. Ouf. Un espèce de boost de bunny hop. On se reverra en enfer les mineurs, putain. Prends la baignoire. Le ketchup. Casse leur fenêtre. J'avoue, putain. Ils vont vivre dans la peur comme j'ai vécu dans la peur. Est-ce que je peux péter quelque chose là? Si je peux. Je peux, je peux. Je sais que je le peux. La haine me motive. Elle me pousse à me dépasser. Oh putain. Merci. Allez, pitié, mets pas des bâtons dans les roues. Fantasio. Ok, ok. Non, 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 non. Ça peut le faire, ça peut le faire. On a joué à Half-Life, on sait faire ça. Le problème c'est que je... est-ce que je peux quand je saute? Oui. Imagine, je me fais attraper, putain. Voilà, voilà, voilà. Je pense que là, c'est bon. C'est bon, les Miller. On est à égalité. Votre dette est effacée. Une étoile, du coup. J'aurais eu un meilleur rating, hein, quand même. J'avais pas fait ça, mais bon. Des fois, c'est pas une affaire de chiffres. D'accord? C'est une affaire de respect. Il me faut ça. Et bah allez, ça régale. C'est beau quand même que sur les 1000 heures, tu vois, j'ai eu ça. Folie même. Outil pour craquer un coffre, c'est vrai que je pouvais pas l'acheter. Donne, là, il y a des trucs à rendre. Là, il y a un truc à rendre, au moins, je sais. C'est la peau plus le... La peau, hein. La peau plus la casserole. Ça fait 1000 ans que je dois le rendre, merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, de beau? Rien. Voilà. Voilà, voilà. Outil scroc. Et l'outil pour craquer un coffre. 2500 seulement, hein. Pour un casque avec un... Pour un truc de médecin, seulement 2500. J'aurais dit plus, tu vois. Problème. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Tourne dans la direction indiquée par les flèches jusqu'à ce que le son change. À ce moment-là, fais tourner dans bonne direction. Ok, j'ai pas capté. J'ai pas capté. Laisse-moi vivre. 47 du coup. Ok. Oui, comme dans tous les jeux en fait. Jusque là, j'avais pas capté parce que c'était expliqué de manière chelou. Ça va être cancer, j'annonce. À faire en situation live. An important document has gone missing from Mr. Lombardi's desk. I've got a feeling it's in Greenview 102. Ouais, t'es avec Mr. Lombardi. Check it out for me. Les Lombert, Monsieur Lombert.
Le pot plus le casserole. Il est vrai. Attends, c'est la peau plus le casserole. Voilà. Ok, donc on peut passer au machin, au pied à terre, la boutique de prêteur sur gage. Il vend un petit peu tout ce qu'on a. Welcome back. T'as pas flippé quand un mec qui court dessus comme ça? Micro-ondes 90 balles, toujours, hein. Micro-ondes, je sais pas qui les vend, hein. Sauf que le truc a l'air antique. Bon, c'est pas grave, moi ça me va. Faut que je vole les documents au 102, mais le 102, c'est où déjà? C'est un truc easy, non? Ou c'est un truc hard? On va voir. Alors, ça en haut à droite, ouais. Je sais pas si j'ai allé en... Je crois que je suis jamais allé au 102, hein. On va découvrir, messieurs, dames, ça se trouve ça va être hardcore. Est-ce que c'est pas ce qu'on demande? Il y a même les dérapages et tout! Trop bien! Oh, attends. Mais c'est loin là! Putain! Bon, je vais me garer quand même, hein. J'ai pas le choix, je suis un citoyen. Oh! Là, j'ai failli faire une folie! Me garer comme un. Je sais pas. Un génie? Driving Simulator. C'est rétro donc c'est populaire, putain. De mon temps, l'électroménager, ça a duré plus longtemps! Document dans le coffre. Alors, je peux rentrer là sans réfléchir, oui. C'est pas une question. J'énonçais juste ce que j'allais faire. Pareil, ce crochet ne pète absolument jamais, j'adore. Il y a un policier qui se balade dans la rue. Il m'impressionne pas, malheureusement, pour lui. Alors, ils ont tout fermé. Là, c'est en lockdown, you know. Un petit peu, quand même. Je peux rien faire quand c'est comme ça, il faut que je trouve une entrée. Les gnomes qui gardent le... la maison. Ça goûte de la bonne zique sa mère. Bah merde! Il faut que j'attende une certaine heure, non? Qu'ils ouvrent les volets et tout. Damn. On y est presque là, non? Il est quelle heure? 6h, ils vont se lever dans les gros tas là, ils vont aller travailler un peu. On va rester comme ça un peu, on va chill. J'espère qu'on va pas me voir de la maison d'à côté. Ils sont affreux ces gnomes, ils ont des têtes horribles. Oui, bon, on peut le dire. Ma grand-mère aussi, elle a des nains de jardin. Mais ils sont pas affreux comme ça. Ils m'ont jamais donné des cauchemars. Fais gaffe aux gnomes. Faut que j'y fasse attention. Je me souviens de cette mission, l'enfer. Tu l'avais fait ce jeu ? Où tu parles d'autre chose. Ah. Ah oui, d'accord. Comment je fais? Je peux me permettre de poser la question, hein. Si ça ne dérange pas. I see you in the darkness of the sky. Il y a une porte là, non? Non. Ça va finir avec un coup de pied de biche dans la fenêtre, tu vois. Mais non, parce qu'il y a une alarme et du coup je me fais fuck. Me fait fuck, ça va fermer les trucs et je l'aurai dans le huc. Il faut que je passe comme ça, il y a 1000 flics par seconde en plus. Ils ont pas de porte d'entrée, c'est ça leur délire? Si, ils en ont une. Ah ouais, mais là il y a les flics ou. Je peux essayer de taper dessus, mais je pense moi que ça va donner, que ça va tout se fermer, non? Casse la fenêtre. On va try, mais bon, je pense que ça va mal se mettre. Ouais. Voilà. Ils ne peuvent pas attraper un homme qui ne veut pas être attrapé. C'est une règle. Il y en a combien sérieux? Genre pour un cambriolage, il y en a 50 comme ça, en folie. Il est sur ma piste, le salaud. Il a un bon flair. C'est du cold ski. Bon. Conseil moyen de péter la vitre. J'avoue, il faille qu'on ait le cornet quand même.
Oh, Y et PNJ. En fait, les flics, ils attendent que ça, ils se font chier à se balader toute la journée. Je suis leur seul... Ils sont attaqués parce que c'est le seul truc qui se passe dans ce coin, quoi. Il y avait une poubelle pour se cacher, en plus. Qu'est-ce qu'elle va... Où est-ce qu'elle va aller, la voiture de... Non. Il va encore bugger pendant 50 ans, putain. Il veut absolument prendre ce virage. Ah, voilà. Je suis en coloc, donc on est confiné à 4. Ah, déjà, ça fait un peu d'animation, non? Je suis dans un 9 mètres carrés. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis dans 42. Enfin, je suis dans mon appart, quoi. Mais bon. C'est un peu chiant. Après, j'ai pas 9 mètres carrés, tu vois. Je me doute bien que... Là, c'est plus que chiant. C'est vrai que c'est chiant, quand même. Les gens qui sont tout seuls, comme moi, et sans doute plein de gens sur le chat, c'est... Un petit peu pesant. Alors, est-ce que la vitre est quand même pétée? Oui! Ah oui, elle est pétée, mais elle est bloquée, quoi. Oh, c'est chelou. Mais il y a des condés de partout. On vient d'enfermer la porte. Bravo. Vous êtes fiers de ça, en plus. Eux, ils passent leur journée à la maison. Bon, ça, j'étais entendu, j'ai rien fait de mal. Vas-y, viens, 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 viens voir, à tête de moi, viens voir, viens voir. Vas-y, t'es quoi, viens voir. Je peux la marquer là. La marquise marquée. Ok, là, il y a une belle baraque aussi. Ça va. Freeze. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vivre est un crime? Je suis retourné chez mes parents pour ma part. Mmh. Pas con. Mais où est-ce qu'on est là? Pourquoi il fait nuit? Ils m'ont tasé, ils m'ont laissé sur la chaussée à côté de ma voiture. Ah bah là, violence policière, mais 1000% quoi. Ça, ils vont encore appeler les flics. Ça, la musique à ce heure-là, vous avez pas l'impression de casser les couilles de tout le monde? Clé de la porte d'entrée 102. Putain, mais... What? Je peux vivre? Si il me chope, ça fait quoi en fait? Je perds de la thune. Écrase-moi tant que tu y es! Tiens, t'aurais une raison de me taser là. Il arrête pas le taser en plus. Hein. 1500, non, toujours pareil. Non, pas, je sonne à sa porte, il vient comme si j'étais en train de le. Agressé, tu vois, alors que bon, j'ai quand même le droit, non, de sonner à sa porte, a priori. S'y fait là. Aïe 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 aïe. Tu m'assassines, numéro 102. Bon, t'es pas là avant, c'est ça? Ah, c'est pas que tu sois pas là, c'est que je puisse pas rentrer en fait. Mais ça, j'adore, t'sais. Tu sonnes, c'est un crime fédéral. Ah, il a plus ses lunettes. Il fait nuit en même temps. Oh là là, le jeu est deep. Il fait nuit, du coup, il a enlevé ses lunettes. Eh oui. Eh oui, il faut y penser. Prenez le temps d'y penser un peu. Vous prenez pas le temps, vous, de réfléchir. Bon, les clés, je les trouve où? Je les trouve ailleurs, c'est ça, dans une autre baraque. Putain. Non, 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 non. Est-ce que il faudrait pas que je fasse un espèce de truc de fou, de Yamakasoi? Non, pas du tout. Note du tout, finalement. Tu vois, là, il y a la poubs. Je deviens un gosse en sonnant à la porte et en partant. C'est ce que je veux, non? Et les gnomes, là, ils ont pas la clé, tiens, par hasard. Ils ont peut-être caché la clé quelque part, ces petits chouins, là.
Ah, la brique là, le parpeng. Jeter E, d'accord. J'aurais pas trouvé cette touche intuitive toute seule. Je peux pas aller voir là à travers encore. Oh, mon PC qui déconne. Tout va bien, c'est mon PC, des fois il se rallume. Mais oui, j'ai loupé. Ça a bugué. Ils ont mis plein de briques, donc j'imagine que c'est un indice. Libérer le Salvador! Non, ça marche pas. C'est pas possible. Mais comment il tire? Il se met pas... Il n'essaye pas. Putain, il y a des vitres blindées, quoi. Terrifiant, ça. Ah, il est là quand même. Ah, ça a fait sortir, hein, les cons. Maintenant, je peux aller l'étouffer, l'autre. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai quand même y arriver, non? Mais ça sert à quoi les parpaings? C'est vraiment juste pour les attirer, ça? Dans une brique sur la police. Remarque, là, il n'y a pas de police. Ils sont là peut-être que la nuit, tu vois. On va prendre l'argent de l'assurance! Bon, il faut que j'emmène vers 23h, je pense. Ah, oh, c'est le coach. Coach Carter. Vers 23h, je pense qu'ils seront pas là. Vu qu'il y avait du bleu, là, vers minuit. Je crois que si je reprends le jeu today, je serai toujours à cette mission. Pourquoi ils ont mis un jeu d'énigmes aussi, là? Pourquoi ils ont mis un puzzle game au milieu du jeu, là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? On était bien, là. On avait juste à courir comme des débiles. Casser des chiottes et on était heureux, tu vois, on n'en demandait pas plus, la vie allait être bien. Pour nous. Ouais, du coup, il y a des... Mais quoi? C'est un truc de fou, quoi, c'est au visage. C'est au faciès qu'on m'arrête. C'est normal, ça, aux États-Unis d'Amérique? Il y a personne, c'est buggy, ils sont pas là, j'adore. Run. Ok, il n'y a pas de porte de derrière chez eux quand même. C'est bizarre, ils ont tous des portes de derrière. Si je sonne là. Ok, bon, on va voir derrière. On va voir. Ah, attends, mais je peux pas genre couper l'électricité. prends un parpaing, on sait jamais s'il y en a un qui te teste. Un taille de courir sur les trottoirs. Parce qu'il y a en même temps que j'ai un parpaing. J'ai cru que c'était la clé, putain, j'aurais trouvé. Mais c'est une clé, hein, ceci dit. C'est juste pas la clé, quoi. Mais merde. Oh putain, elle est là-dedans, non? Absolument pas. Putain, maman, j'avais trouvé la solution de l'énigme. Et c'est pas ça. Avec le coupe-vert, tu pouvais ouvrir les fenêtres sans faire sauver. Ouais, c'est ça, mais je me dis, il y a peut-être un autre moyen, donc, alors le coupe-vert, là, la con. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le coupe-vert? Je pouvais déjà l'acheter, le coupe-vert, ou pas? Maybe, hein, maybe, maybe. The Vert Cutter. Bon, je vais cambrioler à côté pour la peine. Ils m'ont saoulé. Est-ce que je peux, eux, ou eux aussi, ils sont en mode berserk hardcore, là. Sur la sécurité. Bon, alors, ils sont à la maison, a priori. Oh là là, eux, ça a l'air chaud! Il a entendu là. Ouais, eux c'est pareil, fais voir la porte. Ouais, bon, eux on est parti sur n'importe quoi là. On exé. Bon, 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 bon. Yo les boys.
Les Smiths. Alors ça, c'est pas américain. Il y a une caméra, par contre. Chez les Smiths. Et si je coupe... Oh bordel. Dem. Regardez ce qu'il est en train de faire, le jeune joueur français, franco-français. Oh putain, ils vont avoir le temps de me voir dans la rue, les salauds, ils ont que ça à foutre là, les vigilantes. Il n'y a pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en marque? Ça se trouve, il n'y a personne. Hein. Je me dis, si je saute là. Yes, on adore. On peut rentrer, c'est beau. Il n'y a personne, je pense. Ou alors c'est tellement grand qu'ils n'ont pas entendu. Combien de thunes? 50 seulement? La manette de jeu qui fait la taille pour des mains de bambin. Vidéo game. Il y a marqué dessus. jeu vidéo. Vol de voiture niveau 1, putain, mais... Oui? C'est où, ça? C'est pas là? C'est pas d'ensemble de compétences, je le veux! Je veux voler les voitures. Niveau 1. Coupe en or. Vase vert. J'arrive. Prêt ou pas, j'arrive! Ah, le petit... la tirelire, là. Il y a combien de thunes, là-dedans? Trilliard, voilà la réponse. Le téléphone brique. Je vais prendre cette merde, c'est infâme quand même. Bon. Les manettes de jeu random placées ici. Mais donc dans le sac. Ah, j'ai plus de place. Allez, ciao. Je prends la télé quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas la clé de la maison d'à côté ici? Ça me régalerait là, les gars. Quoi ça? Je sais pas. On sait pas trop, des fois tu vois, ça pourrait être le cas quoi. Clop, 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 clop. Allez, dans 116 secondes. Ils ont deux télés, casse en une. Vite, t'as été un malade toi. Laisse-les vivre les pauvres gens. Les honnêtes gens. Mais pose cette télé, Hector. Lance cette télé maintenant. Allez! Oui! Avec un petit effort, ça passe, ça passe. Magnifique. Tel les plus grands voleurs de son époque. Et ici. On peut répéter. 25$ le Tolrem. Dun. 60 secondes. Moi, il y a aussi le risque. Mais je suis dead. Ah d'accord, c'est le locataire avec le taser. Oui. C'est vrai qu'on est aux États-Unis. J'avais pas pensé à ça. Rest in peace, mon master plan. Ah putain, bon je vais la refaire en deux speed parce qu'il y avait de la thune quand même. J'ai pas vu vers quelle heure il est rentré par contre. Il est peut-être flic. Ciao Sinkard. On va s'arrêter aussi bientôt en vrai. Un pur américain aurait eu le shotgun, c'est ça. Non mais c'est vrai. C'est un américain de tier inférieur là. Tier E quoi. Voilà, voilà. Ma vengeance sera terrible. Ok.
crois pas que ça ait changé les emplacements des trucs et tout. Bon, les manettes, en vrai, je sais pas. Tant qu'à faire, allons-y, hein. C'est moche. M'a saoulé. J'étais pas venu ici, si. Oh la Yoma. On l'adore la Yoma. J'ai pas le temps aussi. Plus loin, s'il te plaît. Plus loin, s'il te plaît. Oui, plus loin, vraiment plus loin. Ah mais non, mais c'est à gauche encore. Fuck! Ah mais non, non, c'était dans le bon sens en plus. Pourquoi il m'a fait ça? Mais j'arrivais proche du zéro, là! Il a fait tout le tour! Gros tryhard! Il va me faire niquer, tu vois. J'ai encore 60 secondes avant qu'il arrive, je pense. Gros tryhard. Genre vraiment énorme tryhard. Putain! Putain, une fois que je le fais... Ça va mal se finir, ça va mal se finir! Plus vite! J'espère que le dernier, il faut pas refaire un tour encore. Hein. Sinon, ça. Ça va mal se passer, on peut le dire, on peut le dire. Salaud, là. Salaud. C'est de la merde. Attends, téléphone flat, ça doit valoir cher, ça doit valoir cher, c'est là. J'espère que le temps qu'on se continue pas. Qu'est-ce que je peux lâcher là? La manette peut-être? Rien d'autre. Hein. On devrait déjà être heureux avec ce qu'on a. On sait qu'il arrive bientôt là. Enfin, je sais pas en fait si c'était juste un random dans la rue ou si c'était vraiment lui quoi. Oh, c'est en attente, phénomène. C'est en attente. Ne jamais dire que c'est fini. C'est en attente. Une meilleure offre. Ah oui, il faut quand même que je conduise quand même. En dehors de la ville, c'est vrai. Je sais pas encore de chauffeur. C'est ça le but, être voleur mais avec un chauffeur. Il fallait, c'était lui, c'était Chad. J'étais obligé, je le supporte pas. Et du coup, j'ai tout perdu. On va s'arrêter là en vrai. J'espère que ça vous a plu quand même. Bon, je pense pas qu'on y reviendra. Hein. C'était sympa, mais bon, une session quoi. J'ai l'impression qu'on a exploré le jeu quand même. Voilà. Merci Chad. Je sais pas ce qu'on jouera la prochaine fois. Au moins les VOD. Ah, mais les VOD ça continue d'être upload de toute façon sur la chaîne secondaire. Chaîne principale pour l'instant est sans contenu. N'est pas mort. N'est pas mort ce qui a jamais dort. Putain. Ça c'est beau ça, Dovazak. C'est vrai, c'est ça. C'est ça que je devrais marquer en fait, en bannière sur YouTube. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Merci au modo, au follow, au sub. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée, à la prochaine. Je sais pas quand ce sera. On verra, on se captera. T'as le seum, Nictis. Bonne soirée, ouais. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Pour cette fois, c'est bon, j'ai assez dit au revoir. Ou encore une fois, là, c'est bon. Putain.